Aujourd'hui, la team Guito, on est sur Brookhaven RP et je vais créer des Brookhaven inédits. Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci! Bon, les amis, on va créer des Brookhaven vraiment inédits. Vous allez voir, il y en a vraiment un paquet. Allez, c'est parti, on va aller sur l'ordinateur qui est juste ici et on y va. Et on va créer un Brookhaven de luxe. Ok, donc c'est parti les amis, on est dans le studio de Brookhaven. Et donc c'est parti, donc là il n'y a rien qui est de luxe. Donc c'est parti, on va commencer par taper directement gold, qui veut dire or en anglais. Et là on va trouver directement une statue. Ok, oh cette statue de Robux, elle est énorme. Waouh, ok regardez la statue de Robux, elle est géniale. Ok, en plus elle est complètement en or. C'est ce qu'on va faire, on va la mettre immense et on va la mettre au-dessus de la montagne. Comme ça on a une montagne de Robux. Ok, là c'est plutôt pas mal. Et vu d'en bas, ça donne ça, donc ça annonce bien la couleur. Ok les amis, quand on parle de luxe, on dit bonne voiture. Donc on va mettre une voiture en or. Ok, c'est vraiment n'importe quoi. J'espère vraiment qu'elle marche. Et on va taper supercar. Ok, donc là on a une voiture. Ok, ok, j'espère qu'elle marche celle-là, elle doit être incroyable. Vous savez quoi, on va en mettre plein. Ok, donc là on a 4 belles voitures, j'espère vraiment qu'elle marche. Ok, nous il nous faut une banque, donc on va taper banque directement. Et là, waouh, elle est plutôt grande cette banque. On va la mettre juste ici, elle passe super bien à cet endroit. Et vous savez quoi, à l'intérieur, on va rajouter quelqu'un de hyper important. Et c'est Monsieur Robux, donc on va le mettre juste ici. Et voilà, on a Monsieur Robux. On va le tourner, hop là, et j'espère qu'il va me donner des Robux. J'espère vraiment. Ok les amis, on va rajouter des petites barrières au niveau du spawn. On va en rajouter une ici et on va rajouter encore une ici. Voilà, parfait. Oh les amis, regardez l'avion en or. On peut mettre un avion en or, mais c'est incroyable. Ok, j'espère vraiment qu'il marche. Ce serait incroyable si on peut le faire décoller. Ok les amis, regardez, on peut rajouter un magasin Gucci carrément sur Brookhaven. Attendez, c'est vraiment un truc de fou. Attendez, on va le mettre de l'autre côté. On va le mettre juste là. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Ok les amis, ça manque un petit peu d'argent par terre. On va rajouter un petit peu de l'argent par ici. On va en mettre un petit peu par là. Voilà, comme ça il y a un petit peu d'argent, un petit peu de partout. Et en plus apparemment c'est des vrais Robux. Donc on va voir si ça marche, j'espère vraiment qu'on peut y récupérer. Imaginez, on peut récupérer plein de Robux comme ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, on peut mettre plein de sacs d'or. Oh là là, regardez, regardez les amis. J'espère qu'on peut les récupérer vraiment. Ok les amis, donc on va rajouter une maison de luxe. Ouais, elle est vraiment incroyable celle-là. Et on va la mettre ici, elle est vraiment pas mal ici. Ok, et juste devant la maison, on va mettre un petit panneau, hop là, avec marqué riche. Voilà, comme ça, ça fait vraiment luxe. Bon bah c'est parti, on va aller essayer tout ça et j'espère vraiment que je vais avoir des Robux. Ok les amis, donc c'est parti, je me retrouve directement dans le Brookhaven de luxe. Et là les amis, ok, donc déjà, waouh, ouais, il y a plein de Robux par terre. Ok, bon bah c'est grave cool ça. Et là, attendez, il y a les sacs d'or, il y a les sacs d'or, est-ce qu'on peut les récupérer? Oh non! Oh non, on peut pas la récupérer. Oh non, mais c'est n'importe quoi. Ok les amis, on va essayer la voiture tout en or. J'espère vraiment qu'elle marche. Oh là là, elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment incroyable. Est-ce qu'elle marche ou pas? Oh oui. Oh oui les amis, regardez. Oh regardez les amis, elle marche vraiment. Elle marche vraiment, c'est incroyable. Ok, waouh, elle fait de la fumée derrière. Ok les amis, regardez, elle marche vraiment, elle va super vite. Attendez, j'ai même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps, je décolle avec. Waouh, waouh, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Elle va beaucoup trop vite pour moi. On va essayer une autre. On va essayer, vous savez quoi, la voiture verte là. Oh la voiture verte, waouh. Waouh, elle est incroyable. Waouh, elle va 10 fois plus vite que l'autre. Elle va 10 fois plus vite. C'est incroyable les amis. Ok, on va essayer celle-ci, j'espère qu'elle marche aussi. Ok, waouh. Waouh, elle fait de la fumée, elle fait beaucoup de fumée. Ok, ouais, elle glisse dans tous les sens, les amis. Elle est horrible à conduire, elle est vraiment horrible à conduire. On va essayer celle-ci, ok, les amis, normalement, elle est bien. Je crois que je la connais déjà, je l'ai déjà essayé une fois. Ok, ah ouais, elle est trop bien. Elle glisse aussi, mais elle est trop bien, les amis. Ok, ok, c'est n'importe quoi. Ok, vous savez quoi, on va aller essayer directement l'avion en or. Ok, il est où? Il est là-bas, waouh, ok. Ok, vite, on va aller essayer l'avion en or. J'espère qu'il marche, les amis. Oh non, je l'ai mis trop. Oh non, je l'ai mis trop, les amis. Oh non, mais quelle erreur j'ai fait. J'ai fait quelle erreur. Je l'ai mis beaucoup trop haut. Ok, mais c'est fou, il marche vraiment pas. Regardez, attendez, on peut monter sur les roues. Ok, je grimpe. Ok, ok, est-ce qu'on peut monter? Oh non, les amis. Oh non, bon, bah, tant pis. Tant pis pour l'avion, ça marche pas. Ok, mais elle est vraiment horrible à conduire. Elle est vraiment horrible à conduire. Je sais pas comment ça se fait, comment elle se conduit. Pourquoi elle glisse comme ça dans tous les sens? Waouh, 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 waouh. Ok, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, bah... Bon bah j'ai crash la voiture. J'ai vraiment crash la voiture les amis. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Ok les amis, c'est parti, on va du coup à la banque. Ok, il y a Monsieur Robux. Attendez, on va aller voir Monsieur Robux. Monsieur Robux, Monsieur Robux, il est là, regardez, on le voit, il est juste là. Salut Monsieur Robux, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi, Darkito? Mais attends, mais tu parles? Tu parles vraiment Monsieur Robux? Ouais, ouais, bah ouais. Et je peux avoir des Robux s'il te plaît? Tu dois aller au sous-sol et après reviens me voir.
Ok, ok, bon, bah on va aller au sous-sol. Apparemment, il y a un sous-sol, donc c'est parti, je sais pas. Ah ouais, regardez, il y a un sous-sol. Bah, du coup, on va y aller. Et il m'a dit d'aller le revoir après, donc je sais pas ce qu'il doit y avoir. Bah, pourquoi... Oh, regardez, regardez, il y a des sacs. Il y a des sacs de Robux. Oh, il y a des sacs de Robux. Attendez, mais what? Mais attendez, faut qu'on aille le dire à Monsieur Robux. On va le dire à Monsieur Robux. Monsieur Robux, Monsieur Robux, Monsieur Robux. Attends, t'es encore là? Est-ce que t'es encore là? Oui, 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 je suis encore là. Ah, je fais quoi avec les sacs de Robux? Il faut que t'ailles à l'autre banque et tu auras des Robux. Plein de Robux. Ah ouais, bah trop bien. Bah alors attendez, les amis, faut aller à l'autre banque. Il m'a dit d'aller à l'autre banque et je vais avoir plein de Robux. Donc c'est parti, on va y aller. Et regardez la statue là-haut. Waouh, il y a une statue en or. C'est incroyable. Mais attendez, elle s'est décollée? Mais... Elle est tombée, regardez, c'est tombé en fait, c'est le truc du Robux qui est tombé, il était là-haut, il est tombé les amis, c'est incroyable. Ok, donc c'est parti à l'autre banque, il m'a dit qu'il y aurait des Robux, donc c'est parti, on y va, et où est-ce qu'il y a... Mais attendez, mais il y a une carte de Robux, mais c'est trop bien, mais attendez, j'en fais quoi de ça moi, j'ai plein de Robux. Mais attendez, c'est un truc de fou, je crois qu'il faut aller, je crois que je vais pouvoir les dépenser, attendez, on va aller au magasin de luxe, et on va aller voir si je peux les dépenser, j'espère que je peux tous les dépenser. Ok les amis, donc là il y a le magasin de luxe, donc c'est Gucci, regardez les amis, c'est incroyable, donc attendez, on est dans un magasin de luxe là. Ok, mais moi j'ai des Robux, on va rentrer tranquillement. Waouh, il y a plein de trucs de luxe. Mais what, attendez, regardez, il y a même une casquette. Y a... Oh là là, mais c'est un vrai magasin, les amis. C'est un vrai magasin de luxe. Regardez, c'est un truc de fou. Ok, mais je peux rien faire, je peux dépenser mes Robux. Il y a personne pour me dépenser les Robux là. Oh, mais attendez, mais non, mais ça marche vraiment pas. Oh là là, je suis déçu, je peux même pas dépenser mes Robux là. Qu'est-ce que je fais avec cette carte? Attendez, mais s'il faut, faut les donner à Monsieur Robux. On va retourner le voir. Monsieur Robux, Monsieur Robux, regarde, j'ai plein de Robux. Tu me les donnes ou pas, s'il te plaît? Échange-moi ça contre des vrais Robux. Bah en fait c'est une fausse carte ça Darkito, là t'as eu une fausse carte, bah ouais. Mais non mais c'est une fausse carte, oh non on m'a eu. Ok les amis, j'allais carrément oublier d'aller visiter ma maison. Ok regardez ce qu'il y a marqué devant, non mais c'est n'importe quoi cette maison. Allez par contre elle est vraiment belle, ok on va rentrer dedans. Waouh, il y a une piscine, ok on peut nager. Ah ouais elle est trop bien, attendez est-ce qu'elle marche, what, elle marche vraiment la télévision, c'est un truc de dingue. Ok on va l'éteindre, ok on va aller à l'étage, j'espère qu'il y a un truc sympa à l'étage, hop là. Et ok, what, il y a une tenue, et là qu'est-ce qu'il y a au milieu de la pièce, qu'est-ce que c'est, il y a une tenue de... Mais what, il y a une tenue Brookhaven? Mais attendez les amis, on va dessus, qu'est-ce qui... Ok, regardez, j'ai encore ma chemise par-dessus, mais je suis riche comme ça, c'est n'importe quoi. Ok, mais elle est vraiment trop bien cette maison les amis. Bon, vous savez quoi quand même? Non mais c'est vraiment un truc de dingue. Est-ce qu'on peut dormir? Ok, on peut s'asseoir. C'est n'importe quoi les amis. On va redescendre, c'est parti. Il y a un truc dans cette pièce? Oh non, c'est fermé. Ok, elle est vraiment incroyable cette maison, vraiment vraiment incroyable. Franchement, je crois que c'est la meilleure maison de Brookhaven. Et on va créer un Brookhaven du passé. Ok les amis, et on est directement dans l'éditeur de Brookhaven. Ok, donc vous voyez tous ces bâtiments là actuellement, ça reflète pas du tout le passé. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les supprimer. Bon, il y a quand même pas mal de boulot pour tout supprimer. Surtout s'il faut tout faire à la main comme ça. Et un restaurant en moins. Bon, faut que j'enlève encore tout ça. Et puis tout ça encore. Ça fait beaucoup. Bon, au final, ça commence à faire beaucoup de place. Et puis on se retrouve quand j'aurai tout enlevé. Ok, bon, les amis, du coup, ça donne ceci. Il n'y a vraiment plus rien, regardez. Mais est-ce que j'enlève les petits détails? Genre, par exemple, les lampadaires ou les trucs de métro? Je pense qu'il faut quand même les enlever, on est dans le passé, on n'est pas dans le présent. Ah oui, et j'ai laissé la mairie, elle est belle quand même. Et aussi la petite chapelle. Bon, là les amis, on est vraiment dans le passé. Et du coup dans le passé, les routes c'était des petits galets comme ça. Donc on va tout changer, hop là. Et là les amis, regardez, j'ai trouvé des maisons du passé. Donc vous savez quoi, on va en mettre plusieurs. Et c'est vraiment super bien fait les amis. Ok, donc là ça fait déjà beaucoup de maisons. Ok les amis, regardez, je viens de trouver, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un puits. Ouais c'est ça, c'est un puits les amis. On va le mettre ici, j'espère qu'il marche. Ok regardez les amis, je peux mettre un bateau médiéval. Non mais attendez, c'est incroyable, j'espère vraiment qu'il marche. What, mais regardez, il est encore plus grand celui-là. Ok, on va mettre les deux. Voilà, mais je vais mettre celui-ci ici et celui-là, je vais le mettre là-bas. Ok, on va rajouter quelques tours médiévales. On va même, hop là, les agrandir un peu. Voilà, faut vraiment que ce soit impressionnant. On en met une deuxième ici. Ok, les amis, on va même rajouter un château. Alors, j'espère que j'ai de la place. Ce serait trop bien ici, à la place de la police. Hop là, oh, un château, les amis. Attendez, on va le tourner. Waouh, c'est vraiment trop bien, les amis. Ici, les amis, on va rajouter le trône du roi. Voilà, on va le mettre vraiment immense. Parfait. Ok, les amis, ici, on va faire un désert, les amis. Attention, parce que du coup, tout va prendre la couleur du désert. Hop là. Et les amis, ici, on va mettre une pyramide. Ok, non, mais celle-ci, elle est vraiment réaliste, les amis. On va la mettre un petit peu plus grande. Donc, on va l'agrandir, hop là. Et là, franchement, elle est vraiment bien, ma pyramide. Ici, on va mettre plusieurs maisons du désert, les amis. Hop là. Ok, donc là, ça fait un petit village. On va rajouter des cactus, quand même. Ok, les amis, on va rajouter un dromadaire. J'espère vraiment qu'il marche. Mais il est un peu bizarre, quand même. Et les amis, ici, on va rajouter un temple grec. Oh, mais il ressemble vachement à la mairie. C'est incroyable. Attendez, on va l'agrandir un petit peu. Hop là. Et là, regardez, il y a même des statues. Non, mais c'est incroyable. Oh, mais regarde.
regardez, on peut même mettre un temple, les amis. Oh là, mais attendez, on peut le mettre où, ce truc? Vous savez quoi? On va le mettre ici. Ok, les amis, et pour pouvoir se déplacer, vous savez quoi? On va mettre une petite carriole avec des chevaux. Là, on est complètement dans le thème. Bon, d'accord, je vous l'avoue, on a quand même mélangé les époques. On va pas oublier de se mettre admin, c'est super important quand même. Et puis c'est parti, on va aller essayer le Brookhaven. Ok, donc c'est parti, les amis, et... Non mais attendez, non mais c'est une blague ou quoi? Non mais... Le château, non mais... Non mais vraiment, pourquoi il est penché comme ça? Waouh. Ok, non mais le sol, il est pas stable du tout. Ok, en fait, j'ai capté. Je crois que c'est le sol qui est pas stable. Oh mais non, mon château. C'est n'importe quoi, les amis. Pourquoi il est penché comme ça? Attendez, on va essayer. Hop là. J'espère que Midarkito, il va pas enlever un point pour ça. Oh, voilà, s'il enlève un point, c'est uniquement pour ça. Bon, hop là. Oh là là, c'est vraiment... Oh, mais c'est incroyable, en fait. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, mais il est vraiment bien, ce château. Bon, juste, il est un peu tombé, quoi. Par contre, non, mais regardez le bâtiment à côté. Il tient debout. Non, mais c'est pas normal. Franchement, je comprends pas. Bon, allez, on retourne sur la route. C'est vraiment n'importe quoi. On va essayer de se déplacer avec ce truc. C'est parti, j'espère que ça marche. On y va. Est-ce que ça marche? Oh, non, mais... Me dites pas que... Non, mais c'est pas possible, mais... Et si on va sur les chevaux? Non, mais... Oh, non, les amis. Peut-être que si je rentre à l'intérieur... Attendez. Peut-être que si je rentre à l'intérieur... Emmenez-moi au bateau. Non. Non, ils veulent pas. Oh non, les amis. Oh non, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, on va aller essayer... Ouais, on va essayer du coup le désert. Je crois qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas tenu debout. Non mais franchement, les amis. En tout cas, franchement, j'ai l'impression de vraiment être dans le passé là. Oh, le dromadaire. C'est vrai que j'ai mis un dromadaire. Bon, c'était sûr qu'il marchait pas. On va aller voir sur la pyramide. Bon, bah, j'espère que j'aurai vraiment une bonne vue. Ok, regardez. Oh, attendez, c'est vraiment incroyable en fait. Oh là là, je vois vraiment tout Brookhaven. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais c'est vraiment le désert de partout. Par contre, j'ai oublié quand même quelques petits trucs à enlever. Bon, c'est pas grave. Oh là là, c'est vrai qu'il y a le petit village du désert. Et là-bas, oh, c'est vrai qu'il y a les bateaux à essayer. J'avais oublié les bateaux. Bon, allez, on va aller voir le désert. Hop là, on descend. C'est parti. Oh là, le village, il a pas tenu, les amis. Bon, on va dire qu'il y a une tempête de sable. Comme ça, c'est plus surprenant, non? Bon, waouh, il y a vraiment eu... Ouais, il y a vraiment eu une tempête, en fait. Alors, regardez les trucs qui tiennent pas au sol. Bon, en tout cas, c'est vraiment super bien fait. Imaginez un village du désert sur Brookhaven. Bon, on oubliera l'autoshop, d'accord? Ça, c'était pas voulu. Regardez, les amis, c'est vraiment un truc de Grèce. Oh là là, Grèce antique, les amis. C'est incroyable, c'est super beau. Ça, c'est tout en marbre, je crois. Non, mais c'est vraiment magnifique. Et ici, on a encore un autre temple. Oh là là, regardez, les amis. On dirait qu'on est vraiment dans le passé, là. On dirait même pas qu'on est sur Brookhaven. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Franchement, c'est vraiment impressionnant, le bateau. Et ici, le petit bateau. Bon, du coup, ce bateau, comment il fonctionne? Non, mais franchement, ça m'étonnerait qu'il marche. Il est vraiment beaucoup trop grand pour marcher. Non, il marche pas du tout. Bon, le petit aussi, j'imagine qu'il marche pas. Oh non, les amis, y a rien qui marche. Bon, en tout cas, c'est pas grave, les amis, parce qu'il est vraiment super bien fait. Et franchement, j'ai pris beaucoup de temps. Et je m'adresse à toi, Midarkito. J'ai pris beaucoup de temps à enlever tous les bâtiments et à mettre des nouveaux bâtiments. Et je pense que Brookhaven, il était comme ça. Il n'y avait pas grand-chose à faire avant, à part... Ouais, bon, le château qui a penché, ça, c'est n'importe quoi. À part de plonger dans une piscine sans eau. Ouais, il n'y avait rien à faire, hein. Je suis pas sûr qu'il y avait des piscines avant aussi. Attendez, mais j'allais oublier, on peut rentrer dans les maisons. Oh, c'est trop bien fait. Oh, ça vaut un 10 sur 10. C'est vraiment trop bien fait. On dirait qu'on est vraiment dans une maison d'avant. Oh là là, mais regardez vraiment, les amis. Oh, il y a plein de trucs. Mais il n'y avait pas de lit à l'époque? Non, mais c'est pas normal, ça. On va monter. Et là, pourquoi il y a un cactus ici? Non, mais il y a quelqu'un qui a récupéré le cactus qu'il a mis dans son appartement. Faut pas faire ça. Bon, on va éviter de se piquer quand même, hop. Oh, mais c'était vraiment bien fait. Mais s'il y avait des lits, regardez, ils pouvaient dormir dans des lits quand même. Et là, regardez, non mais c'est franchement trop bien fait. Et je vais créer un Brookhaven Minecraft. Bon, et nous voilà sur l'éditeur de Brookhaven. Donc, c'est parti, on va commencer. On va juste taper dans la barre de recherche Minecraft. Et c'est parti, les amis. On va commencer par changer le ciel. On va mettre le ciel de Minecraft. Hop là. Ok, vraiment parfait pour celui-ci. Donc, je viens de remarquer que la piscine, elle est complètement vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la lave de Minecraft. Donc, c'est parti. On va taper Minecraft lava et là ok, donc là il y a de la lave Minecraft. On va la mettre dans la piscine. Ok, donc là c'est parfait, c'est plutôt sympa comme piscine. Donc là juste au dessus du bâtiment, on va rajouter Minecraft affiché comme ceci, les amis. Hop là, comme ça on sait qu'on est bien sur Minecraft. Voilà, là c'est plutôt sympathique comme ça. Bon les amis, on va rajouter plusieurs maisons Minecraft juste ici. Ok, bon bah là j'ai un petit quartier sympa avec plein de petites maisons. On va rajouter de la végétation, c'est parti. Voilà, donc là il y a un petit peu plus de végétation, c'est sympathique. Bon les amis, je viens de voir qu'il y a une voiture Minecraft. Donc apparemment un marcherait. On va direct l'essayer quand on va arriver, les amis. On va rajouter un golem de fer, comme ça il va protéger
les maisons, on va le mettre juste là. Hop là, lui il protège. On va voir s'il attaque l'Underman. Ok, on va le mettre en face. Ok les amis, vu qu'il y a beaucoup de place ici, on va créer un village Minecraft. Donc c'est parti. Bon bah voilà, mon petit village, il est bien fini. Franchement, il est plutôt sympa, on ira le visiter. Et les amis, en voulant taper Wither Minecraft, je suis tombé sur le Wither Storm. Donc apparemment c'est un boss de Minecraft et il est vraiment gigantesque. Et il est comme ça là, ouais, waouh, il fait vraiment flipper. Bon, on va le mettre ici, vous savez quoi, on ira voir si on peut le combattre. Bon, j'espère qu'il va pas casser tout, j'espère qu'il va pas casser tout Brookhaven. Parce que s'il casse tout Brookhaven, ce serait dommage quand même. What, mais ici il n'y a pas d'eau, attendez, on va rajouter de la lave. Voilà, là c'est plutôt sympa comme ça. Ok, bon bah là voilà, là il y a de la lave, il y a le Wither Storm. Vous savez quoi, il manque un portail du Nether. Vous savez quoi, on doit le mettre juste ici le portail du Nether. Bon, il manque un petit peu de décoration en ville, on va rajouter tout ça. Ok, j'ai rajouté une deuxième voiture, j'espère qu'elle marche aussi celle-ci. Ok, il y a même un minecart, attendez, on va le mettre à côté. J'espère qu'il marche, ce serait incroyable. Ok, bon voilà, j'ai rajouté un petit peu de décoration. What, mais attendez, mais ça c'est l'Under Dragon. Attendez, on va le mettre, vous savez quoi, on va le mettre juste ici là-haut, comme ça. Ok, on va le mettre juste là-haut là, comme ça. Voilà, comme ça on le voit bien dès qu'on arrive, on voit un Under Dragon dans le ciel. Ok, c'est incroyable, il est vraiment bien fait. Ok, bon, qu'est-ce que serait Minecraft sans de la TNT, les amis? C'est parti, on va rajouter un petit peu de TNT, on va voir si elle explose. On va en mettre un petit peu de partout. Waouh, là il y en a un paquet là, comme ça on va en mettre plein. Hop là, voilà. Comme ça on fera exploser Brookhaven. Ok, là mon jeu commence à bugger. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ok, c'est bon. Comme ça, Brookhaven, il va exploser. Là, ça va être n'importe quoi. Si Brookhaven, il explose, je sais pas comment je vais faire. Ok, donc c'est parti. On va aller essayer tout ça. Ok, donc c'est parti. Ok, donc déjà, il y a la TNT. What? Attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe avec la TNT? Non, me dites pas qu'elle va exploser. Elle est... Je crois qu'elle est en train de... What? Elle est en train de tomber, mais elle me tombe de... What? Attendez, attendez, c'est n'importe quoi ce délire. Attendez, attendez, c'est vraiment n'importe quoi. Je pensais pas que la TNT, elle serait comme ça, là. What? Elle explose. Elle explose. Ok, vite. Waouh, faut faire attention. Oh, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ok, ok, ok. C'est n'importe quoi, les amis. C'est vraiment un truc de fou, ça. Ok, ok, on va vite prendre ma voiture. Ok, ok, faut vite que je prenne ma voiture. Est-ce qu'elle marche? Oh non, elle marche pas, la voiture. Elle marche pas. Elle marche, celle-là, au moins? Non, elle marche pas. Et mon minecart? Oui. Oh oui, le minecart. Le minecart, il marche. Non, 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 les TNT. Ok, 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 j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir avec les TNT. Waouh, 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 waouh. Non, 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 non. Il y a une TNT dans le minecart. Il y a une TNT dans le minecart. Waouh. Ok, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ces TNT. Vite, on remonte dans le minecart. Faut qu'on parte de là. Ok, oh non, non, non. Oh non, les TNT, elles envahissent le jeu. Elles envahissent le jeu. Vite, vite, vite. Comment je pars, moi? C'est trop dur à conduire. C'est impossible à conduire, ce truc. Est-ce que le coffre, il marche? Il y a quoi dans le coffre? Ok. Oh, mais attendez, toutes les TNT. Attendez, faut qu'on parte de là. On peut pas rester ici. On peut pas rester ici. L'Under Dragon, il veut pas m'aider. L'Under Dragon, il bouge même pas. Il va se transformer en une TNT. Oh là là, les amis, faut qu'on parte de là. Là, c'est n'importe quoi, les TNT. Je pensais pas que ça allait faire ça. Vraiment, je pensais pas, les amis. Ok, il y a marqué Minecraft là-haut. Ok, c'est super bien fait. Et, what? Il y a un Wither. Mais attendez, mais j'ai pas mis de Wither dans l'école. Mais pourquoi? Ah, mais non, c'est pas un Wither. Ok, c'est un Warden, les amis. Il y a un Warden dans l'école. Et, what? Ok, ok, j'ai eu peur. Oh, il m'a fait peur. Il m'a fait vraiment peur. Ok, on va aller voir le village, les amis. On va aller voir le village Minecraft qui est là-bas. Ok, il est super bien fait. Regardez, il y a les plantations. Il y a le golem. Il va pas. Non, il va pas m'attaquer, le golem. Arrête, arrête, le golem, il va pas m'attaquer. Non, 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 mais non, mais non, mais c'est pas possible. Mais non, mais le golem. Le golem, je suis gentil, moi, je suis gentil. C'est pas moi qu'il faut attaquer. C'est la TNT là-bas. Non, mais attends, attends, attends. Ok, ok. Oh non, 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 j'ai trop peur du golem là. What? Mais il y a une TNT qui se bat. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a une TNT même ici. Non, mais attendez, attendez, on peut faire la paix, s'il te plaît, le golem. S'il te plaît, on fait la paix. What? Aïe, mais il m'a fait mal. Ok, il m'enlève clairement de la paix. J'arrive même plus à parler. Non. What? What? Mais. C'est n'importe quoi, le golem. Ok, oh non, je l'ai activé. Oh non, 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 le golem. Faut que je l'esquive. Faut que je l'esquive. Mais il y a un truc invisible là. Il y a un truc invisible. Je peux pas passer par ici. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 il me poursuit. Il me poursuit. Et franchement, là pour le moment, j'adore ma partie Minecraft. C'est vraiment trop bien. Franchement, c'est vraiment, 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 vraiment trop bien. Parce que. Franchement, le golem là qui m'attaque, le TNT dans les airs. Franchement, je pensais que ça allait être moins fun que ça, mais c'est super fun. Ok, on peut activer la TNT? Oh oui! Oh oui, le golem! Vas-y, le golem! Vas-y, explose le golem! Oh non! Oh non! Allez, explose, explose le golem! S'il te plaît, explose, explose! What? Je suis mort! C'est n'importe quoi! C'est vraiment n'importe quoi ce Minecraft! Et l'abeille, il y a une abeille ici. Bon, au moins, point positif, j'ai tué le golem. Ça, c'est trop bien. Bon, les amis, on va monter là-haut et je. Je crois qu'il y a le Wither Storm au bout là-bas. On va aller voir le Wither Storm. C'est parti. Ok, donc là, c'est vrai que j'avais mis des maisons Minecraft. What? Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qu'est-ce qu'il est en train de... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais what? 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 Mais...
Mais c'est pas possible, attendez. Attendez, mais... Et je l'ai même pas regardé. Ok. Ok, bon, les amis, il y a le Witherstorm ici. Oh non, mais c'est vrai que j'ai mis le portail du Nether là, juste devant la lave. Ok, si je mets un pied dedans... Ok, je perds de la vie. Ok, regardez, ma vie, elle est descendue directement. Donc, je peux pas aller au portail. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va aller voir le Witherstorm, les amis. C'est parti. Ok, donc pour le moment, il bouge pas du tout. Il a vraiment pas bougé. On va aller le voir de plus près. Ok, donc non, il est pas vivant, les amis. Il peut pas m'attaquer. Il peut pas m'attaquer. C'est n'importe quoi, le Witherstorm. Et je vais créer un Brookhaven réaliste. Ok, les amis, donc c'est parti. Je suis dans le Brookhaven. Et vous savez par quoi on va commencer? On va commencer par la route. Et regardez comment on va la rendre super réaliste. Oh là là, on dirait vraiment une vraie route. Et on va faire ça avec toutes les routes, c'est parti. Bon voilà, normalement, toutes les routes, elles sont comme ça. Et j'ai même rajouté quelques petits détails un peu de partout. On n'a plus qu'à faire pareil avec l'herbe. On va faire un truc comme ça, c'est vraiment beau comme ça. Ou peut-être comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Allez, on va faire ça de partout. Voilà, les amis, c'est vraiment super long à tout changer. Normalement, ça est bientôt fini. Hop, hop, là j'ai l'impression que c'est vraiment super très réaliste. Bon là c'est bon, j'ai vraiment, presque fini. Hop, est-ce qu'il en reste un? Ouais, ici, et peut-être encore un ici. Oh là là. Bon, maintenant on va changer les arbres. Et pour ça, on va enlever déjà ces deux-là, hop, et hop. Et on va mettre, voilà, des arbres super réalistes. On va même les agrandir un peu, et voilà. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. Je crois qu'il faut changer le ciel. On va mettre quelque chose de super réaliste. Ouais. Comme ça, c'est vraiment incroyable. On va enlever l'hôpital de Brookhaven. Voilà, comme ça, les amis. Non, mais attends, t'es en train de tout faire sans moi, là. Et puis, oui, c'est réaliste, c'est sûr, mais... Je pense qu'il faut quand même des trucs de la vraie vie, là. Il manque tellement de choses. Bon, et si on commençait par un hôpital super réaliste? Tu vois, un hôpital comme dans la vraie vie. Je vais voir si je vais en trouver. Bon, on va essayer celui-ci. Je pense que franchement, il est pas mal du tout. Oh, regardez comme il fait vraiment super réaliste. Franchement, on dirait un vrai. Allez, on va le mettre comme ça. Et puis franchement, il faut se l'avouer, non? Je suis bien plus forte que Darkito. Allez, donc prochain truc. Maintenant, on va mettre... Bon, là, on va faire vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de place. Et en plus, j'ai une idée de génie. J'ai trop envie de mettre un supermarché, vous imaginez? On retrouve les marques qu'on connaît, quoi, de supermarché et tout ça. Oh là là, ça va être tellement génial. Bon, allez, adieu la gendarmerie. De toute façon, on n'a même pas besoin de police dans notre monde. Bon, on n'a pas besoin non plus de crèche ici parce qu'on a des super nounous. Darkito, j'ai un problème. En fait, j'ai trouvé un super grand supermarché. C'est un carrefour, mais alors qu'est-ce qu'il est vraiment trop grand? Celui-là, il rentre nulle part. Tu veux pas m'aider à trouver une place? Je te donne pas le choix, on le met celui-là. Hein. Allez, ouais, passe-moi ça de suite. Hop là, non mais qu'est-ce... Pourquoi on a mis un carrefour ici? Non mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Mais où est-ce que je vais le mettre, ce grand carrefour? Ok, je regarde un peu autour de moi... Ouais, c'est bon, j'ai l'idée. Non, mais là-bas, il ira super bien. Vous savez quoi? On va le mettre vraiment bien. Ok, on va le mettre par ici. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. On m'a mis un grand carrefour en ville. Non, mais n'importe quoi. Là, c'est vraiment pas mal. Oh, et en plus, je crois qu'on pourra le visiter. Oh, ça va être trop bien. Mais du coup, on m'a laissé ça sans... Sans rien, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Oh mais t'as qu'à mettre des énormes immeubles, tu vois? Au moins ça va faire plein d'habitations, t'imagines? On pourra avoir plein de voisins! Attends, regarde ma chérie ce que j'ai trouvé! Regarde, regarde-moi ça! J'ai trouvé un bâtiment avec un carrefour contact! Hop là! Voilà, j'ai vraiment trouvé un truc avec un carrefour! Non mais dis-moi, c'est une blague! T'es en train de faire une ville réaliste ou une ville spéciale carrefour? Mais non, pas du tout! C'est vrai qu'on pourrait y croire, mais pas du tout! Vous savez quoi? Mettre autre chose que carrefour. On va rajouter un autre bâtiment ici, hop là. Oh, regardez ce que je peux faire pour être ultra réaliste! J'ai trouvé un radar. C'est pas mal, non? Si on met un radar, genre regardez. Hop là, comme ça, les voitures qui vont vite, sont flashées. Voilà, ça c'est réaliste. Ça, vous voyez, ça c'est super réaliste. Hop là. Alors attention, ne roulez surtout pas vite. Attendez, on va rajouter un panneau radar. Voilà, comme ça, tout le monde est prévenu, il y a un radar dans Brookhaven. Non mais attends, c'est pas vraiment logique, je te rappelle qu'on a enlevé la gendarmerie, c'est qui enverra les amendes? C'est moi, j'achète un ordinateur portable et comme ça je pourrai envoyer des amendes avec mon ordinateur portable. Voilà, c'est une très bonne chose, c'est bon, c'est réglé. Maintenant on va mettre un panneau, céder le passage, vous savez quoi? C'est un peu le code de la route par ici. Hop là, donc un conseil, ne roulez pas vite, respectez tous les panneaux sur la route, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de panneaux quand même sur la route. Donc il va falloir faire attention, d'accord? Ici, céder le passage, il y a un radar. On va rajouter un autre panneau, vous savez quoi? On va embêter tout le monde. Un panneau par ici, un panneau par exemple. Le pire panneau, le panneau Dodan, voilà. Non, on va pas mettre un Dodan quand même. Bon allez, si on va quand même le mettre, comme ça, ce sera 100% réaliste comme ça. Hop là, je crois que je suis parti un petit peu trop loin dans mon délire de réaliste.
Faut qu'on m'arrête, faut que quelqu'un m'arrête, sinon je vais jamais m'arrêter. Et voilà, des dodanes. Attends, t'es en train de mettre une banque? Oh non, c'est vraiment n'importe quoi! En plus, c'est une banque française. C'est sûr que ça fait vraiment réaliste, mais moi je sais pas, j'aimerais au lieu que tu mettes des radars, des amendes, des dodanes, des banques, tu voudrais pas mettre quelque chose d'un peu plus fun, de marrant, tu vois, pour qu'on s'amuse un peu. Ok, faut qu'on s'amuse, j'ai une idée. Bon, quelque chose de réaliste, et voilà, j'ai trouvé un gros 8 super méga réaliste. Je sais même pas où le mettre, attendez, on va le mettre là-bas, hop là, voilà, comme ça nous fait un truc fun. Bah voilà, c'est vraiment bien. Par contre, ça prend vraiment toute la place. Bon, on bloquera la route. Attends, et pour pouvoir aller au parc d'attractions, on va mettre un parking. Ouais, parce que ça, c'est vraiment réaliste, des parkings comme ça, non? Ah ouais, il est vraiment énorme, ce parking! Bon, franchement, moi, j'ai trop hâte de tester ce grand 8. Mais attends, comment on va à ce centre d'attractions si, en fait, on n'a pas de voiture? Mais moi, une voiture de sport, je veux celle qui va le plus vite, la plus belle. Enfin, celle, franchement, on va pouvoir s'éclater, tu vois, aller à 300 km/h. Alors, ne bouge pas, on va mettre une grosse voiture de sport. Oh là là, non mais vous savez ce que ça va être le but, les amis? Ça va être de se faire flasher par le radar. Et oui, parce qu'il est juste devant. Alors là, le but, vraiment, c'est d'exploser le compteur. Par contre, je pense qu'il faut jamais faire ça dans la réalité, hein. Vraiment, c'est juste pour la vidéo. Bon bah, c'est parti, on va l'essayer tout de suite. Bon, je crois que ça y est, on y est enfin. Bon, on va essayer cette voiture de sport. Oh là là, ma chérie, il faut vraiment que tu voyes ça, c'est incroyable. Donc c'est parti, on y va. Oh là là, va... Waouh, ouais, vraiment vite. Ok, c'est parti, on va prendre un peu d'élan. S'il faut, je vais me faire flasher par le radar. Hop, waouh, elle vole. Mais c'est incroyable. Par contre, le radar, là, il a... Attendez, il a pas flashé, attendez, mais... Qu'est-ce qui vient de se passer, le radar? Eh oh! Attendez, on va aller encore plus vite. Je suis sûr qu'on va prendre beaucoup d'élan et que ça va faire un flash. Voilà, je pense que là, on est pas mal pour l'élan. C'est... parti! On y va! Waouh! Ouais, ça a flashé! Oh, mais c'est incroyable! Oh là là, mais ça m'a pété les yeux, par contre. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi, ce Brookhaven. Attendez, ici, il y a... Oui, il y avait une banque, c'est vrai. Attendez, on va aller voir la banque directement. Hop là. C'est parti, donc on rentre dans la petite banque. On peut retirer de l'argent. Attendez, je peux retirer de l'argent. Et je veux de l'argent. Oh non, ça marche pas. Comment je peux faire pour retirer de l'argent? Bon, on va directement aller servir à la banque. Hop, là, il y a un coffre-fort. Bah, on va l'ouvrir. Oh non, je peux pas l'ouvrir. Oh non. Oh non, il est fermé. Il est complètement fermé. Bon, c'est pas grave, les amis. Je peux pas voler le coffre. Peut-être qu'avec. Peut-être, vu que je suis admin, je pourrais y aller après. Voilà, ce serait trop bien. Par contre, là, c'est fermé. On va repasser par la sortie qui est aussi l'entrée. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. Oh, mais attendez, c'est vrai qu'il y a l'hôpital. Mais attendez, combien de trucs dans ce Brookhaven? Ça va être vraiment trop trop bien. Allez, c'est parti. Hop là, on rentre dans le nouvel hôpital de Brookhaven. Et pourquoi il veut pas... Eh oh, ouvre-toi hôpital. Oh non. Oh non, on va rentrer par ici peut-être. Oh oui, bah par là c'est ouvert. Parfait. Super. Voilà, oh mais c'est vraiment super grand. On dirait, vous savez, on dirait les hôpitaux dans les séries américaines. Voilà, c'est vraiment... là, je suis dans une salle d'opération. C'est pas bien d'être là. Pourquoi je suis là? Hop, on ressort d'ici. Faut passer par où, là, s'il vous plaît? Non, c'est pas par là. Peut-être passer par cette petite porte ici. Hop là, parfait. Et voilà, bonjour. Il y a toujours personne. De toute façon, il y a personne dans ces Brookhaven que je crée à chaque fois. Il y a jamais personne. Et là, il y a quoi par ici? Locker room. Qu'est-ce que c'est que ça, ici? Ok, on ressort de là. Il y a un intrus dans l'hôpital. Veuillez sortir. Sortez tout de suite. Eh, hey, mais je reconnais cette voix, en plus. Qui c'est qui a parlé? C'est toi qui a parlé, chérie, à côté de moi. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir entendu une voix. Bon, en tout cas, il y a un intrus dans l'hôpital. Non, je ne vais pas ressortir tout de suite, j'ai encore l'hôpital à visiter. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a plein de salles de trucs avec des trucs de médecins. Ouais, je suis pas docteur, j'avoue, je m'y connais pas du tout en docteur. Mais en tout cas, il y a plein de salles de partout, il y a des machines de partout. Je sais même pas à quoi ça sert tout ça. J'ai même pas envie de savoir. Bon, on va ressortir de là parce que là, ça me fait vraiment peur. J'ai l'impression de me perdre dans cet hôpital. Mais où est-ce que je suis encore? Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, j'aurais dû mettre, je sais pas moi, une boulangerie, comme ça j'aurais pu boire un petit thé ou quoi. Non mais franchement, là, je... Waouh, je suis complètement perdu. Allez, on va ressortir de là, j'espère que c'est la sortie. Toujours pas! Non mais c'est n'importe quoi, comment on ressort de là? Allez, on va faire demi-tour. J'ai l'impression que je me perds dans cet hôpital, là, c'est n'importe quoi cette histoire. Je viens d'ici, je crois que c'est par là. Hop là, escalier, on descend, parfait. Allez, on va reprendre ma petite voiture sportive. Oh non, c'est vrai que c'est fermé par ici. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi cet hôpital. Non, la porte elle veut pas. Allez, parfait, par ici. Allez, on reprend ma petite voiture. Elle est vraiment belle cette voiture. On va passer tout doucement devant le radar. J'ai pas envie d'avoir une amende. Hop là, on va rouler tranquillement.
et on va aller au grand carrefour. C'est parti, là, il n'y a pas de radar, on peut aller. Non, je rigole, faut pas faire ça dans la vraie vie, c'est dangereux de faire ça. D'accord. Allez, carrefour, c'est ici. On va se garer devant. Hop là. Ok, parfait, super. Alors, carrefour. Parfait, les portes sont ouvertes. Oh, il est vraiment trop bien. Et attendez, il y a un McDonald's au carrefour. Oh là là, c'est trop bien, c'est le paradis. J'adore. C'est trop bien. Voilà, attendez. On peut ouvrir la caisse. C'est trop bien. Attendez, on peut ouvrir la caisse, on peut tout voler la caisse. Oh non, mais c'est pas une bonne idée de me laisser tout ça ici. Franchement, faut pas faire ça. Oh là là, je peux me faire cuire des hamburgers. Non mais attendez, je vais en fait, vous savez quoi? Je vais devenir un employé de McDo. Je pense que ça peut être une super bonne idée, comme ça je pourrais manger des burgers tous les jours. Et franchement, ça va être trop bien. Bon, avant ça, franchement, bah prends tout l'argent de la caisse. Moi, je veux qu'on se fasse une journée où on paye tout ce qu'on a envie. T'imagines, ça doit être trop bien. Alors, rien que pour ça, ma chérie. Je vais refermer la caisse et je vais rien prendre. Voilà, on n'est pas des voleurs, nous. Non, mais n'importe quoi. Par contre, je pourrais travailler pour devenir un chef de McDonald's. Voilà, ce serait trop bien. Bon, on va ressortir d'ici parce que là, franchement, j'y comprends rien à toutes ces machines. Je suis pas très fort. Mais en tout cas, regardez ce super marché gigantesque. Oh là là, c'est trop bien. Il y a plein de vêtements, il y a plein de nourriture, il y a marqué. Et en tout cas, il est vraiment géant. Attendez, il y a des ordinateurs ici. Oh, ils vendent des ordinateurs. Ils vendent même des grandes tablettes énormes. Oh là là, c'est vraiment trop bien. Là, c'est des télévisions. Bon, là, ils vendent des cosmétiques. C'est pas pour moi. Et là, ils vendent des garden... C'est quoi, garden center? C'est... Attendez, c'est... Mais c'est quoi, ça, en fait? On est où, là? Pourquoi il y a des plantes? Ah, ok, j'ai compris. C'est pour le jardin. Voilà, c'est des ventes de trucs de jardin. Bon, allez, on ressort d'ici, là. Franchement, Carrefour, il est vraiment trop bien. Mais là, j'ai rien à acheter, par contre. Allez, on va prendre ma nouvelle voiture. Hop là. Et vous savez quoi? Je vais mettre le GPS direction le parking du Grand 8. Alors, hop là, on configure. Direction le parking du Grand 8. Pourquoi elle fait cette voix-là, le GPS? C'est bizarre. Bon, on y va. Tourner à droite. Ok, mais waouh, elle fait une voix vraiment bizarre, ce truc. Dans 100 mètres, tourner à gauche. Ok, non, mais c'est vraiment bizarre, cette voix. Bon, on peut pas configurer la voix du GPS, parce que là, c'est vraiment trop bizarre. Non, mais c'est trop bizarre. Bon, je suis arrivé, je vais couper le GPS. Là, franchement, ça me fait vraiment peur. Oh non, j'ai cogné la voiture. Oh, c'est pas grave. Hop, là, on va la garer ici. De toute façon, c'est même pas la mienne. Hop, on va la mettre comme ça. Et hop, voilà. Vraiment trop bizarre ce GPS. Franchement, elle est vraiment bizarre cette voiture. Elle est belle, mais elle a un GPS bizarre. Attention, je suis à frontal. Mais j'ai un GPS dans la tête ou quoi? Bizarre, je comprends rien. C'est qui a parlé là cette fois? Je comprends pas. En plus, je la connais cette voix. T'es sûr que c'est pas toi qui a parlé, Miss Darkito? C'est trop bizarre, hein. Vraiment trop bizarre. Bon, comment on rentre dans ce Grand 8? Bon, vous savez, parfois je suis très intelligent et parfois je suis pas intelligent du tout. Et bah là, regardez, là, je suis pas intelligent du tout. J'ai mis le panneau devant le début du Grand 8. Bah du coup, ça fait qu'on peut pas commencer, je crois. Oh non, ça fait quoi si je le remets à zéro? Bah il est bloqué, voilà, mon Grand 8 est bloqué. Bah franchement, là, je suis vraiment déçu. Bon, on va pas en tenir compte, d'accord ma chérie? On n'en tient pas compte de ça. On oublie, on dit qu'il était génial et qu'il n'y a pas de Grand 8, d'accord? Bah oui, je suis d'accord, t'inquiète pas. Mais franchement, t'es vraiment pas intelligent, c'est n'importe quoi. Et je vais créer un Brookhaven avec ma copine. Ok, donc on est dans l'éditeur de Brookhaven et là, je vais commencer par changer le ciel. J'ai envie de mettre un ciel rose. Oh, regardez comme c'est trop beau! Oh là là, j'adore! Et toi, t'aimes? Dis-moi, Darkito! Attends deux secondes, je reprends l'ordinateur et tu sais quoi? Je vais modifier la fontaine juste ici. Et je vais mettre un grand cœur! Hop là! Comme ça, tu sais quoi? Ça signifie notre amour. Ou on pourrait faire autre chose de mieux, regarde! Je vais mettre deux personnages, un Darkito, un Miss Darkito. On va les agrandir, les amis. Oh oui, ça va vraiment super bien rendre! Attends, voilà, mais moi plus petite quand même un petit peu, hein. Attends, mais dis-moi, pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'ai un problème et j'ai pas mes sourcils sur mon personnage? Regardez, ça fait vraiment trop bizarre, c'est pas moi ça, non? Bah si, c'est toi. Oh là, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Oh là, c'est vraiment magnifique comme ça. Tu sais quoi? Je vais modifier les arbres en orange. Comme ma couleur préférée. Quoi? En orange? Mais tu rigoles ou quoi? Non, tu... Mais quelle horreur! Mais les roses, attends, regarde avec le ciel et tout, ça va pas du tout! Et là, ça rend super bien! Franchement, valide, non? Eh bah, tu sais quoi? T'auras ton côté en rose et mon côté, je vais le mettre en orange. Orange comme ça, voilà. Hop là. Et rien que pour ça, même le sol, je vais le mettre en orange. Oh non, ça va vraiment être horrible! Regarde, le orange et le rose, ça va pas vraiment super bien ensemble! Est-ce que t'es sûr qu'on est en train de faire un Brookhaven à deux là? Ou plutôt une partie de Brookhaven en orange et l'autre en rose? Je comprends plus rien!
Et du coup, là, l'arche, elle est en orange. Voilà, c'est parfait. Et je crois... T'as un truc à dire? Bah attends, t'es en train de faire ça que pour toi. Là, c'est tout orange. Et de l'autre côté, c'est tout vert. Alors j'ai envie que tu passes tout en rose. Au moins, tu vois, il y a un côté orange et un côté rose. Et surtout, t'oublies rien. Oh non, mais laisse-moi déjà finir mon côté, attends. Oh non, ça devient n'importe quoi de mettre tout en orange et tout en rose. Pourquoi on n'est pas d'accord sur les couleurs? Ah là, je suis même en train de mettre les arbres en rose. Non mais ça devient vraiment n'importe quoi tout ça. C'est super long, j'espère que t'as bientôt fini. En tout cas, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Bon franchement, faut voir le côté positif, au moins c'est... C'est à notre image là pour le moment. Et le cœur, on le met rose ou... Ou orange? Ou peut-être rouge? Bah, le cœur, attends, il faut le laisser rouge quand même, c'est la couleur de l'amour. Alors moi, j'adore les attractions, les manèges et tout. Alors j'aimerais trop que t'en rajoutes plein, plein, plein. Ça va être tellement bien. Puis en plus, on pourra les essayer. Bon, pour ça, on va enlever la ferme. Boum! On va commencer par mettre des stands à l'entrée du parc d'attractions. Regardez comme ça, a l'air tellement cool. On va en rajouter un ici, encore un là, et encore un là. Bon, on va créer le meilleur parc d'attractions, vous allez voir. On va mettre une grande roue ici, un manège par là, un manège à sensations fortes. C'est les chaises volantes. Je suis en train d'en rajouter plein. Bon alors là j'ai fini le parc d'attractions, franchement j'ai hâte de l'essayer. Ok maintenant c'est à mon tour les amis, donc vous savez ce qu'on va rajouter? On va rajouter une fusée. Oh j'ai oublié un petit morceau vert ici. Oh non on va pas le mettre rose. Orange, non ça c'est jaune. Orange, oh non. Orange oui. Ok du coup c'est bon, je vais mettre ma fusée juste ici. Oh là là, apparemment elle marcherait. Et vous savez quoi, on va l'agrandir un petit peu. Voilà c'est parfait. On va aussi enlever le restaurant. Et on va mettre un McDonald's. Voilà. On va mettre un grand panneau McDonald's. Et les amis, juste ici, je vais créer une petite ville. On va mettre des appartements comme ça, les amis. On va mettre un grand building. Oh, regardez comme il est super grand. Attendez, on va le mettre bien de mon côté. Voilà, comme ça. Et pourquoi il a des reflets roses? Oh non, ça doit être le ciel, ça. On va encore mettre des appartements. Hop là. Bon, c'est un petit peu plus petit cette fois. Encore un autre building. Et ici, on va mettre la maison qu'on va avoir avec Miss Darkito. Bon, c'est une maison moderne. J'espère qu'elle aime vraiment les maisons modernes. Parce que franchement, si elle aime pas cette maison, je sais pas quoi faire. Bah franchement, elle a l'air super jolie cette maison, mais j'aimerais pas du tout y vivre. Surtout en face des gros buildings comme ça. Ça donne pas très envie. Bon bah, je pense qu'on est prêt à essayer ce Brookhaven de couple. Et on va l'essayer ensemble. Oh, ma voix, elle est partie un peu bizarrement. Bon alors, c'est moi qui commence. Allez, c'est parti, j'ai trop hâte d'aller voir mon côté. Regardez, déjà, c'est le monde tout en rose. Et franchement, j'adore les parcs d'attractions. Et regardez, on voit l'attraction... Enfin, le manège d'ici, quoi. Il est super grand. Oh non, je suis obligée de faire le tour. Bon, on est quasiment arrivé. Ça a l'air vraiment super grand. J'ai envie de tout essayer. Vous pensez que je peux commencer par gagner une peluche ici? Bon, bah y aller, on va essayer ça. Allez hop là, on appuie sur le bouton. Oh non mais elle marche pas cette machine, elle est vraiment nulle. Et ici? Oh non, c'est vraiment horrible. Oh la grande roue, j'ai trop envie de l'essayer elle aussi. Allez on va commencer par appuyer sur le bouton. Oh déjà ça tourne. Oh regardez, je vais pouvoir voir toute la vue sur Brookhaven. Peut-être que je vais voir la partie de Darkito aussi, regardez. C'est tout orange là-bas, franchement je préfère vraiment mon côté hein. Bon, on va sortir d'ici. Oui. Et on va l'essayer. Le grand 8 là-bas, là. Ce truc là-bas. Oh, quoi qu'attendez, je vais essayer quand même les chaises volantes. J'espère qu'elles marchent. Surtout, il faudrait pas qu'elles partent sans moi. Oh non, il faut que Darkito, il vienne m'aider. Oui, oui, c'est bon, je suis là, ma chérie. Oh là là, le côté tout rose, il est vraiment horrible. Alors, ne bouge pas, reste dans ton manège. Moi, je vais commencer par appuyer donc sur tous les boutons. On va voir ce qui se passe. Je crois qu'elle commence à tourner. Hop là. Hop là, faut monter encore le truc. Ok, comment on fait pour le démarrer en haut? Ok, si on appuie... Oh, ça monte! Ça doit être tout en haut, ça doit être trop drôle. Ma chérie, est-ce que ça va? Oh oui, j'adore, je suis dans les nuages! Oh, c'est trop bien! Par contre, là, ça continue de monter, je commence à avoir le vertige. Hé, Darkito, arrête le manège, s'il te plaît, je veux descendre, en fait. Ah là, elle m'a dit, n'arrête pas le manège, je veux pas descendre. Je crois que j'ai entendu ça. Vous avez entendu ça, vous aussi? C'est sûr que vous avez entendu ça. Bon, moi, en attendant, je vais aller... quoi qu'elle va pas être bien si je la laisse là-haut. Je vais quand même la faire redescendre. Je suis quand même gentil, allez. On va la faire redescendre, c'est parti. Hop là, je crois que c'est comme ça ou... Comment qu'on fait redescendre?
Oh non, oh, c'est bon, ça redescend, c'est trop bien. On va juste stopper le truc, voilà. Oh, j'en peux plus. Enfin, ça redescend. Bon, on va aller en essayer un autre. Moi, j'ai trop envie d'aller essayer, du coup, le grand 8. J'espère qu'il va être super bien. Allez, c'est parti, je vais aller m'asseoir. Oh oui, oh, ça démarre déjà. Et c'est moi qui le conduis. Bon, c'est vraiment trop drôle. Waouh, on a entendu ça super vite. Oh non, c'est un looping. Je crois que je suis bloquée. Oh non, redescends. Hé, Kito, je suis bloquée. Ah non, mais c'est trop drôle. Ma chérie, il faut que tu sautes, je te rattrape. Promis, je te rattrape. Allez, 3, 2, 1, saute, allez. Oh non, saute pas. Non, non, je veux pas sauter, je veux pas sauter. C'est bon. Bon, je vais bien, je crois. Oh, j'ai eu peur, hein. Bon, je crois qu'on a essayé assez de manèges pour aujourd'hui. Quoi qu'on va faire, en fait, le dernier là-bas, le super grand. Et vous savez quoi? On va mettre Darkito dedans. En plus, il déteste les manèges. Allez, moi, je vais le mettre dans la machine. Non, je peux pas le contrôler d'ici. Ah si, c'est là-bas. Bon, c'est bon, je suis là. Hé, hey, Darkito, mets-toi dedans, t'inquiète. C'est juste pour un essai, d'accord? Ok, d'accord, mais tu lances vraiment pas le manège. Parce que après, c'est toi qui le fais. Enfin, tu vas le faire directement toi. Moi, je le fais pas. Moi, je me mets juste dedans pour essayer s'il marche. Allez, c'est bon, t'as essayé? Attends, attends, je regarde si les boutons ils marchent. Bon, on va mettre tout au maximum. Oh là là. Oh bah, je crois qu'il est en train de crier là. Hé, hey, Darkito, ça va? Ah non, c'est pas un essai. Oh non, je me sens pas bien, enlève-moi d'ici. Oh non, 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 non. Bon, on va le faire de l'autre côté maintenant. Au moins, j'aurai tout essayé. Pourquoi ça change? Pourquoi ça change de côté? Et après, il a envie d'aller dans une fusée et il crie déjà pour ça. C'est une blague. Bon, on va l'arrêter quand même, le pauvre. Et puis, il a son côté à montrer surtout, hein. Bon, allez, moi j'y vais. Et je vais me reposer pour l'instant. Ma chérie, je crois qu'il y a un problème. Ma chérie! Oh non. Pourquoi je suis là? Oh non. Oh non, il faut que... Oh non, je vais tomber si je reste là. Oh non, ma chérie, fais-moi descendre! Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est tout en haut? Bon, je vais essayer de le faire descendre. Allez. Voilà, et stop! Oh non. Bon, bah, je crois qu'il est vraiment coincé là-haut. Ah, c'est bon, là, tu peux descendre. Oh, j'ai cru que j'allais y passer. Ouais, il faut que je passe comme ça et comme ça. Oh là, super, merci. Repose-toi bien. Oh, j'aimerais essayer ce truc, vite fait. Ça a l'air à sensation forte. Oh non, il marche pas. Bon, peut-être qu'il faut appuyer sur le bouton, c'est vrai, il y a des boutons à appuyer. Ouais, normalement ça marche avec les boutons. Waouh, ça va super vite, ça va super vite, ça va super super vite. Oh non, 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 non. Bon, allez, moi je sors de là, pff, ça va trop vite. Bon, on arrive dans le côté orange. Et là, franchement, c'est beaucoup mieux. Regardez, c'est tout orange, on est vraiment bien. Parce que franchement, le rose, franchement, c'était pas cool. Donc là, on arrive au McDonald's. Bah ouais, j'arrive même plus à parler. Au moins, moi, il y a un McDonald's. Bah ouais, c'est trop bien en plus. On peut aller manger tranquillement. Donc là, regardez, il y a des burgers, des frites. Il y a même des macarons. Depuis quand il y a des macarons à McDonald's? Ah, c'est trop bien. Bon, allez, moi, je vais prendre un petit burger et des frites. Oh, et regardez-moi ces bâtiments, c'est vraiment super bien. Ils sont super, super, super grands. Allez, on va aller visiter la petite maison qui est juste là, la petite maison trop mignonne où on va habiter avec Miss Darkito. Ça va être vraiment trop bien, cette petite maison. J'adore cette petite maison, regardez. Oh, c'est trop mignon. Il y a quoi, la télé? Il y a un dessin animé? Oh, avec des gens dans l'espace? Bah, ça tombe bien. On va y aller dans l'espace, ça va être trop, trop bien. C'est quoi, il y a des télévisions? Elles marchent en plus, on peut les allumer? Oh, wow, regardez, on peut mettre des chaînes et tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la télé? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Là, c'est une ville. Là, j'ai l'impression que c'est les nuages. Ça, c'est quelqu'un qui regarde avec un parapluie. C'est quoi, ça, c'est un alien? Non. Ça, c'est Halloween? Non. Ça, c'est une ville de la nuit. Et ça, il n'y a pas de signal. Bon, génial, en tout cas. Et par ici, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Oh, bah, c'est les toilettes. On va pas aller aux toilettes. J'ai pas envie d'aller aux toilettes, moi. Oh, c'est vraiment trop bien, cette maison. On va aller voir l'étage directement. J'adore cette petite maison. Allez, première chambre. Oh, il y a une chaise gamer. Oh là, mais c'est trop bien, c'est vraiment super bien fait. Il y a quoi sur l'ordi? On va regarder ce qu'il y a comme application. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis... Ok, il y a Google. Il n'y a pas Brookhaven. Oh non, mais ils n'ont pas mis Brookhaven. Ils ont tout mis pour faire les lives et tout, mais ils n'ont pas mis Brookhaven. Ils n'ont même pas mis Roblox, ils n'ont rien mis. Je suis vraiment déçu. Bon, en tout cas, l'ordi, il est vraiment beau. Il ressemble un petit peu au mien. D'ailleurs, est-ce que vous voulez voir mon ordinateur? Je vous le montrerai un jour. Allez, on va dans l'autre chambre. Et là, c'est une chambre. Ok. Pourquoi il y a des trucs pour s'asseoir devant le lit? C'est bizarre, hein. Ils ont même pas mis de télé en plus. C'est vraiment nul. Il n'y a même pas de télé. Ici, c'est une salle de bain. Oh, trop bien, une salle de bain. Et c'est tout ce qu'il y a ici. Oh non, mais c'est vraiment petit en fait.
c'est pas super grand. Bon, moi ça m'a donné envie d'aller dans l'espace, donc c'est parti, on va aller à la fusée. Oh là là, la fusée elle est juste ici. Oh là là, j'ai vraiment hâte d'aller dans l'espace. Allez, on va monter dans la fusée, et comme ça on va pouvoir voir le Brookhaven d'en haut, ça va être incroyable. En fait, je crois que c'est un des plus beaux Brookhaven qu'on a jamais créé. Puis regardez, c'est orange. Franchement, qui aime pas le orange? Allez, c'est parti, on y va, et on va dans la fusée. Voilà, allez, c'est parti, on ferme la porte. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là, regardez, on peut mettre des boosters. Ici, c'est des trucs, ok. Je sais pas si ça se démarre pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh, ça se ferme! Oh non, qu'est-ce qui va se passer encore? Ah, ça va être trop bien. Bon, en tout cas, pour le moment, il se passe pas grand-chose. J'espère que ça va vraiment se démarrer, parce que là, franchement, ça commence à être super, 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 super long. J'entends un bruit, j'entends un... Waouh, ok, on se démarre. Oh non, c'est n'importe quoi. Oh non, ça me fait vraiment peur. Ok, oh là là. Regardez, je suis vraiment dans la fusée. Et ça va super haut. Oh non. Oh non, je suis là-dedans. Oh, allez. Oh, c'est super haut. Au revoir. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? La fusée, elle se détache. Oh non, non, la fusée, elle se détache. Les amis, je vais dans l'espace de Brookhaven. Et regardez, on voit Brookhaven d'en haut. Oh, il y a vraiment une différence. Il y a beaucoup plus de rose que d'orange. Bon ben, je crois que c'est le moment de se laisser et de... Et on va créer un Brookhaven de l'été. Ok les amis, donc c'est parti, on est dans l'éditeur de Brookhaven. Et on va déjà commencer par l'endroit où il y a la fontaine. Et donc on va supprimer les arbres qui sont ici. Hop, hop, hop. Et on va mettre des palmiers à la place. Ah là là, c'est vraiment, vraiment beau les amis. On va aussi enlever tous les arbres comme ça et on va le remplacer par des palmiers. Ok, ça fait vraiment bien devant l'école comme ça. Ok, on va remettre de l'eau ici les amis. Parce que c'est vraiment ici que ça va se passer. Hop là, on va enlever tous les sapins ici. Ça fait pas très été quand même. On va même enlever cette maison. Ok. Ok, là ça fait vraiment vide les amis. Mais du coup on a vraiment beaucoup de place. Ok, on va rajouter encore des palmiers. Ok, là on a de quoi faire des trucs vraiment sympas les amis. Bon, et vu que c'est l'été, on va faire une grande plage. On va mettre la même couleur de sable de partout. Ok, là ça va vraiment être sympa les amis. Oh regardez les amis, on peut mettre un bar de plage. Non mais c'est vraiment trop bien. On va le mettre là-bas, hop là. On va quand même rajouter, hop là, des parasols. C'est quand même super important sur la plage. On va en mettre plusieurs. On va rajouter des petites maisons. Voilà, comme ça les gens ils pourront, hop là, venir en vacances. Et en plus, ils auront vu sur la mer. Bon, moi, ce que j'aime en été, c'est ce genre de choses. Un parc d'attractions de l'été, les amis, avec des gros tubes et tout. On rentre dedans et hop là, on va en mettre un. Bon, normalement, il touche pas à la montagne, celui-ci. Et il est gigantesque. Il va même falloir aller sur la montagne pour le faire. Oh, il est immense, les amis. Je sais même pas si j'ai la place pour en mettre un autre. Vous savez quoi, on va essayer de le mettre quand même. Oh là là, mais il est immense, lui aussi. On va pas bloquer la route pour ça, quand même. Bon. Quoique, c'est l'été quand même, les gens, ils ont besoin de s'amuser. Du coup, oui, on va bloquer la route. Quoique, en fait, ils peuvent passer en dessous. Attendez, regardez, il y a de la place. Bien sûr que la route, elle est pas bloquée. Trop bien, les amis, ça va être trop bien. Bon, on va enlever la petite île au milieu. J'ai pas envie qu'on se ramasse dans l'île. On va ajouter un marchand de glace, les amis. Hop là. Allez, regardez, les amis, je peux mettre un château de sable. Non, mais là, il est vraiment immense. Vous savez quoi? On va le mettre là-bas. Non, mais c'est vraiment trop bien. Ok, on va en mettre aussi un tout petit là. Bon, ceux-là, ils sont quand même plus faciles à faire, j'imagine. Avec le seau et la petite pelle. Bon, et vu que c'est l'été, on va prendre des buggy. J'espère vraiment qu'ils marchent. Bon bah c'est parti, je pense qu'on est prêt à l'essayer. Ok, donc c'est parti, là on est directement dans le Brookhaven de l'été. Non mais regardez les petits palmiers et tout, mais c'est trop bien. Oh, les buggy, c'est vrai que j'ai mis des buggy, est-ce qu'ils marchent? Mais bien sûr qu'ils marchent. Wow, regardez la vitesse. Oh, mais c'est incroyable les amis. Oh là là, c'est vraiment trop trop bien les buggy. Oh là là, il est vraiment bien. Oh là là, en plus la couleur, elle s'assemble parfaitement. Waouh, pas quand même les casser quand même. Oh non, il y a un orange. Attends, ça c'est ma couleur l'orange. Hop là. Bah ouais, couleur orange. Ok, super. Oh, c'est quoi ça là-bas? C'est vrai que j'ai mis ça avec l'eau qui coule. Non mais c'est trop bien, c'est vraiment trop trop bien les amis, regardez. Oh, regardez-moi ça les amis. Vous savez quoi? Il faut vraiment que je monte, donc on va y aller, c'est parti. Hop là. Et en plus là, il commence vraiment à faire chaud, du coup ça va être trop bien les amis. Oh, je sais pas lequel faire, est-ce qu'on commence par lui ou celui sur le côté? Attendez. Attendez, il y a encore un truc en haut. Mais attendez, il y a encore un truc plus haut. Il y a quoi plus haut? Oh, ah ok, ici c'est pour bronzer, il y en a un. Ok, mais lui il passe, waouh, il fait vraiment peur lui. Oh, ok, donc regardez, on peut avoir des boissons tranquille, il y a même des pizzas. C'est vraiment trop bien. Voilà, avec tous les palmiers sur Brookhaven, c'est vraiment trop cool l'été. Et là, hop là, je peux bronzer tranquille. Non mais c'est franchement trop bien. Bon, on va essayer celui-ci, c'est parti. Donc on y va, waouh, ok. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh, ok, oh non, qu'est-ce qui se passe? Waouh, 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 ça va trop vite. Ça va trop vite pour moi. Oh là, je suis même pas allongé, je suis debout. Non mais c'est n'importe quoi celui-là. Ok les amis, c'est parti, on va essayer celui-ci. Et là je crois qu'il faut peut-être appuyer sur un bouton ou je sais pas. Ok, c'est parti. Ça marche? Oh non les amis, je crois que ça marche pas. Oh non. Oh non, je tombe. Attendez, on va remonter. On remonte, on remonte. Ah oh, mais il marche pas celui-là. Ah oh, c'est vraiment dommage.
On va essayer un sur le côté, c'est parti, on essaye le rouge. Ah, je crois que c'est les mêmes. Bon, on va essayer le rouge quand même. Ok, waouh, ok, lui il marche. Oh, waouh, 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 attention, attention. Ok, ok. Oh non, oh non, 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 waouh. C'est trop bien. Oh, c'est vraiment trop bien l'été sur Brookhaven. Ok, c'est parti. Regardez, j'ai mis les petites maisons, c'est vrai. Et il y a même un marchand de glace. Attendez, est-ce que je peux récupérer une glace quelque part ou pas? Il me faut une glace, s'il vous plaît. What? Mais pourquoi c'est des clowns? Mais c'est quoi cette histoire encore? Bon, on va aller voir ce qu'il y a dans la maison. C'est parti, on rentre dedans. Ok, on peut pas rentrer dedans? Oh non, mais. Moi, elles sont immenses, ces maisons. Regardez les tables et les chaises. Non, mais c'est pas fait pour moi, ça. Et là, est-ce qu'on peut bronzer ici, les amis? On va essayer de s'allonger. Ah bah oui, on peut. Et ici, c'est le bar de Brookhaven. Oh là là, trop bien. Mais pourquoi je suis vraiment petit? J'ai l'impression d'être vraiment tout petit par rapport à tout ça. Et le château, alors... Ok, mais le château de sable, il est énorme, les amis. Oh là là, 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 c'est un truc de fou, le château de sable. Je savais pas qu'on pouvait faire des châteaux aussi grands. C'est vraiment trop bien. Oh là là, c'est trop trop bien. On a quand même ce grand truc à essayer, les amis. Ça va être incroyable. Oh, le petit château de sable. Oh non, on peut pas récupérer la pelle. Oh, je voulais en faire un moi-même. Oh, c'est vraiment dommage. On va essayer ce truc. Je sais que vous avez envie qu'on l'essaye. Et du coup, c'est parti, on va aller l'essayer. Hop là, on va monter. Ok, c'est parti, on monte. Oh là là, faut pas avoir le vertige. Faut vraiment pas avoir le vertige. Oh là 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 là, c'est vraiment super haut. Oh là là, je crois que c'est le truc le plus haut de Brookhaven. Ok, là, c'est vraiment le truc le plus haut de Brookhaven. Ok, donc les amis, c'est parti, on va prendre une bouée. Ok, il faut appuyer peut-être sur le bouton, c'est parti. Waouh, 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 wow, ça s'arrête pas. Oh là 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 là, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, ça va super vite. Ça va vraiment trop vite, ça va vraiment beaucoup trop vite. Waouh, waouh, wow, je me retourne. Oh non, 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 mais c'est trop dangereux, c'est beaucoup trop dangereux. Je vois pas ce qui se passe, je vois pas ce qui se passe. Mais ça s'arrête quand? Ça s'arrête jamais ou pas? Mais, waouh, 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 wow, ok, ok. Ok, ok, j'ai fait le malin. J'ai fait le malin. Oh non, 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 mais c'est un truc de fou. Ça veut vraiment pas s'arrêter. Oh là 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 là, j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. C'est vraiment super long. Waouh! Ça s'arrête quand? Arrêtez, c'est trop long, c'est trop waouh. Ok, wouh. Glou, glou, glou. Oh là là. Oh, c'était vraiment un truc de fou. Et on va créer 3 Brookhaven de la Team Kito. Bon, allez, on est enfin dans l'éditeur de Brookhaven. Et on va commencer par le ciel. J'aimerais trop mettre quelque chose d'un peu orangé. Ça lui irait super bien, en plus c'est sa couleur préférée. Alors, je vais regarder ce que je trouve. Oh, waouh. Oh, waouh, c'est vraiment, vraiment super beau. Bon, allez, ensuite, on va supprimer la piscine ici. Oh là là, c'est vraiment super long, tu veux pas m'aider quand même? Ouais, vas-y, attends, je prends le relais et... Waouh, il y a beaucoup de boulot pour supprimer cette piscine. Oh là là, je sais pas par où commencer. Ok, il faut enlever... Ok, donc on va mettre du... Comment ça s'appelle? De l'herbe comme ça, hop. De la pelouse, hop là. Et c'est parfait. Enfin non, c'est vraiment pas parfait du tout. Bon, je te laisse finir. Franchement, moi j'ai eu plein d'idées. J'aimerais trop qu'on mette plein plein d'oranges, tu vois. Et qu'en fait, on rajoute plein plein de palmiers, t'en penses quoi? Attends, attends, j'ai même pas fini de faire ça. Laisse-moi d'abord finir de terminer la piscine. Attends, je sais, regarde, j'ai trouvé un bar de plage. Je sais pas si c'est le meilleur endroit pour ça, mais bon, on va dire que oui, si je rajoute plusieurs palmiers. Attends, mais tu vas mettre un bar de plage, mais pas à la plage, c'est vraiment bizarre. Bah ouais, comme ça, il y a un bar de plage, même en hiver. Non, mais vous imaginez? On va rajouter des palmiers, hop là. Vous savez quoi, on va les mettre même très grands comme ça. Oh là là, c'est vraiment canon. Et on va même remplacer les arbres ici, par des palmiers vraiment magnifiques. Hop là, et très très grands. Alors moi, je viens d'avoir une super bonne idée. Je sais pas ce que t'en penses, mais et si on rajoutait, tu vois, des petits animaux, genre des petits singes et tout, tu vois? Genre des choses qui pourraient trop bien aller avec le thème comme ça, palmier et tout. Eh, regarde, j'en ai trouvé un. Attends, il va être magnifique celui-là. Oh là là, on peut le mettre sur le palmier ici. Quoique non, on le verra même pas. Attends, on va le mettre en bas. On va en mettre même peu, enfin, plein, plein en fait. Attends, j'ai une idée. Tu sais ce qu'on pourrait rajouter aussi? Non, non. Attends, t'as écrit girafe? Oh, ce serait une super bonne idée, non? Oh là là, elle est vraiment trop belle! Tu veux pas regarder s'il y a des zèbres? Attends, je crois que j'en vois un. Oh oui, elle est vraiment trop chou! Oh là là, j'adore, c'est vraiment trop trop beau! Attends, j'ai une idée, je vais supprimer le poste de police. Et juste ici, vous savez ce que je vais mettre? On va mettre un manège! Oh là là, ça va être trop bien! On va le mettre juste ici, et voilà! Mais attends, depuis quand t'aimes les manèges? Je croyais que t'avais peur! Mais non, mais j'ai mis ça pour toi, pour te faire plaisir! Moi, je vais crier dedans! Bon, la fontaine, est-ce qu'on laisse celle-là ou on en met une autre? On va en mettre une autre. Bon allez, et moi je vais mettre un énorme Darkito. Bon, il va adorer ça. Et je vais le mettre à la place de la fontaine. Allez, on le grandit, on le grandit. Oh voilà, je pense que là c'est bien. Regardez, il est vraiment immense. Allez, je vais essayer de bien le mettre. Oh là là, regardez comme il rend super bien.
Attends, j'ai une autre idée. On va supprimer le restaurant juste ici. Hop là. Et voilà. Et on va mettre un magasin de voitures. Voilà, juste ici. Ça va être trop bien. Et on va rajouter des nouvelles voitures aussi. On va les mettre sur le parking juste en face. Ok, donc celle-là, elle a l'air d'être vraiment incroyable. Oh, une orange. Ah ouais, une voiture orange. Trop bien. Hop là. Une voiture jaune. Voilà, je vais avoir toutes les couleurs. Et une voiture de course. Oh là là, c'est incroyable, vraiment. Là, je pense qu'on est pas mal. On va rajouter des constructions sur Brookhaven. Hop là. Vous allez me demander pourquoi. Bah parce que j'ai envie que Brookhaven s'agrandisse quand même. Oh, on va même mettre une grue géante. En plus, c'est vraiment dans le thème en ce moment. Hop là. Voilà, ça commence à vraiment ressembler à tout un nouveau Brookhaven. On va rajouter des échafaudages. Hop là. Oh non, on va quand même pas fermer le Starbrook. Attendez, on va décaler quand même juste là. Magasin de vêtements. J'en ai pas trop besoin. Quoique, en fait, si, non, en fait, j'en ai besoin. Peut-être la banque. Ouais, comme ça, elle est fermée. On est plutôt bien ici, comme ça. Hop là, voilà. L'échafaudage, il est fait. On va encore rajouter une rue, les amis. Et cette fois-ci, elle va faire la route, juste ici. Voilà, faut vraiment que Brookhaven s'améliore. C'est trop bien. Et voilà, je barre la route. Comme ça, il n'y a personne qui peut rentrer. Bon, on devrait le faire aussi de l'autre côté, quand même. Et de 1. Et de 2. Parfait. On va rajouter un énorme télescope ou quelque chose pour regarder dans l'espace. Ou recevoir des signaux de l'espace. On va le mettre haut à la montagne, les amis, ça va être trop bien. On va enlever un petit peu les arbres autour. Voilà, comme ça on pourra bien recevoir le signal. Et pour avoir un signal, il faut forcément, hop là les amis, un satellite. Bon, je sais pas si on va pouvoir y aller. Bon, on va rajouter du coup une fusée, les amis. Parce que vous savez peut-être pas, mais j'adore l'espace. Voilà, ça va être trop bien, on va la mettre ici la fusée. Bon, et vu que j'adore les secrets de Brookhaven, on va rajouter l'ancienne agence secrète de Brookhaven juste ici. Hop là, ça va être vraiment trop bien. Bon, et vu que j'aurai faim pour aller au secret, on va rajouter un McDonald's. Comme ça, je pourrais manger un burger sur la route. Bon, bah, je pense qu'on est prêt à aller essayer vraiment tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. Oh là là, c'est que t'as vraiment rajouté beaucoup, beaucoup de choses. Oh, j'ai trop hâte de voir ce que ça fait de l'intérieur. Ok, bon, ma chérie, bon, bah, on est enfin dans un Brookhaven, tous les deux. Non, mais c'est vraiment incroyable. Tu veux commencer par quoi? Alors, j'aimerais commencer par... Oh, par un tour de manège, oui, un tour de manège. Allez, moi, je vais y aller, de toute façon, t'aimes pas ça. Bon, j'espère qu'il va être bien. Hé, chérie, il faut que tu me l'allumes. Ouais, tout de suite, allez, il faut que tu prennes un siège et moi, je vais démarrer le manège. Alors, il faut rentrer par... Je crois que l'entrée, elle est... Oh, non. Ok, c'est bon, je suis aux manettes. T'es bien installée dans un siège? Attends, attends, je suis pas encore prête. Alors, je vais aller sur le vert. Oh là là, j'ai peur, oui, c'est bon, je suis prête. Ok, alors c'est quel bouton? Oh là là, il y a vraiment beaucoup de boutons. On va commencer par celui-ci. Qu'est-ce que ça va faire? C'est normal que ça fume. Il y a de la fumée partout. Ok, bon. On va essayer ce bouton. Ok, là, ça tourne. Là, ça fait encore tourner des choses. Waouh, c'est impressionnant. Oh là là, t'as pas fermé le truc. T'as pas fermé le truc, mais vas-y, ferme-le. Oh purée, c'est vrai. Alors, attendez, on va descendre les trucs. Hop, hop, on coupe le manège. Oh là là, j'allais faire une grosse erreur. Ok, donc je crois que c'est ce bouton-là pour fermer les trucs. Donc là, normalement, c'est bon. Allez, c'est bon, je suis prête. Maintenant, envoie tout à fond. Elle a dit tout à fond. Ok, bon, tout à fond, tout à fond. Bon, bah, c'est parti, on va tout lancer à fond. Hop là, on met à 11 de vitesse ici. On va mettre à, hop là, 8 ici. Et là, on va les mettre en hauteur, voilà. Oh là là, ça doit être un truc de fou à l'intérieur. Oh là là, ça va vraiment super vite, j'adore. Wouh, ouais. Oh, ça tourne partout. Oh là, ça doit être vraiment trop drôle à l'intérieur. Bon, moi, en attendant, je vais aller visiter un petit peu le Brookhaven. Voilà, elle doit s'éclater à l'intérieur. Voilà, regardez ici, c'est incroyable. En plus, il y a les palmiers, il y a tout. Il y a le petit bar. Voilà, c'est vraiment trop, trop bien. Et en plus de ça, il y a les petits animaux ici avec la petite girafe. Oh là là, c'est vraiment trop bien. Et le zèbre. Oh là là, j'adore. Vraiment, c'est vraiment trop bien. Enfin, je sais pas s'il faut monter sur un zèbre. Je crois qu'il faut pas faire ça. Voilà, c'est vraiment super sympa. Bon, moi, je vais boire un verre le temps qu'elle termine le manège. Mais sortez-moi de là. Et oh, reviens par là. Arrête le manège, ça fait au moins 15 minutes que je suis là. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de crier dans le manège. Bon, on va y retourner, on va quand même voir si elle va bien. Bon, allez, on va le couper. Hop là, on commence à descendre tout doucement. Sinon, ah ouais, sinon on peut les faire aller dans l'autre sens. Ah ouais, on peut les faire aller dans l'autre sens comme ça. Hop là, on peut même faire, voilà, hop là, dans l'autre sens. C'est incroyable.
Oh non, mais c'est pareil à l'envers, mais arrête-le, mais c'est quoi que t'as pas compris, là? J'en peux plus, j'ai mal à la tête. Bon, d'accord, on va le couper. Allez, hop là, on arrête tout ça, on remet tout à zéro. Voilà. Et on va ouvrir le petit truc, voilà, comme ça. Et là, normalement, ça devrait être bon. Oh oui, c'est bon, mais par contre, je me sens pas vraiment super bien. Bon, tu peux continuer un peu tout seul? Pour l'instant, je vais m'asseoir. Ok, pas de soucis. Voilà. J'espère qu'elle va mieux aller quand même. Bon, j'en étais où? Ici, normalement, c'est un magasin de voitures. Oh là là, il y a des super belles voitures intérieures. On va voir ce qu'il y a. Waouh! Elles sont vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il s'est passé un accident dans ce magasin. Bon, tant pis pour le magasin. Ça va que j'ai mis des voitures devant. Oh, laquelle on va prendre? On va prendre laquelle? On va prendre laquelle? Donc, il y a une voiture orange, une voiture jaune. Mais je crois que la plus belle, c'est celle-ci. On va l'essayer. Hop! Waouh, elle est vraiment incroyable! Ok, c'est parti! Oh là là, c'est vraiment incroyable, les amis. On va aller voir les constructions. Oh, c'est vrai qu'il y a les constructions, les amis, on y va. Ah là, c'est vrai que j'ai mis Brookhaven en construction. Est-ce que vous pensez que la grue, elle marche? Est-ce qu'on peut déjà monter dans la grue? Ah oui! Bon, en tout cas, on peut pas la piloter du tout, cette grue. Peut-être que l'autre, on peut la piloter. Bon, attendez, on va monter par ici. Hop, 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 hop. Oh là là, ça doit être... C'est vraiment incroyable. Et franchement, mon Brookhaven, je l'adore. Ok, c'est bon, je suis en haut. Et je peux pas piloter la grue. Oh mais non, c'est quand même mieux sur le vrai Brookhaven alors. En tout cas, juste pour ça. Parce que le reste, regardez tout ce qui reste à voir. Bon allez, on va redescendre par ici. Hop là, les constructions, c'est bien. Mais c'est pas moi qui construis. Oh, c'est vrai qu'il y a la fusée à essayer. Et c'est vrai qu'il y a le McDonald's. Et il y a encore les secrets là-haut. Bon ben, vu qu'il m'attend pas, je vais aller faire la fusée sans lui. J'espère qu'elle va être bien. Oh là, mais il s'est passé quoi ici? On dirait que tout est cassé. Mais... Oh, mais je peux la conduire, vous pensez? Elle avance pas, non? Ah si. Trop bizarre. Oh là là, la fusée! Elle a l'air vraiment d'être super grande! Allez, comme ça, on pourra aller sur le satellite. Bon, je sais même pas si je dois l'attendre ou pas, mais... Je suis trop impatiente, moi, j'ai trop envie de voir ce qu'il y a là-haut. Alors, on va monter. Hop là. Bon, en tout cas, ils sont super bons, ces hamburgers. C'est vraiment trop, trop bien. Allez, on va aller voir les secrets juste en haut de l'agence. L'agence secrète de Brookhaven, la toute première, la seule qui était visible avant. Ok, donc c'est parti les amis. Oh là là, il y a vraiment des ordinateurs de l'agence. Ici, c'était le SWAT. Oh, ah ouais, carrément, il y avait vraiment le SWAT sur Brookhaven. Et en haut, qu'est-ce que c'est ici? C'est... Oh là là, mais regardez, c'est le tribunal de Brookhaven. Et là, ici, c'était le truc du maire. Donc le maire, il était ici avant sur Brookhaven. Oh là, c'était vraiment trop bien. Bon, il est temps d'aller voir la fusée qui est tout là-bas. Et hop là, on est arrivé. Et là, je vais aller à l'intérieur. J'ai appuyé sur le bouton. Oh là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Bon, j'appuie. Dites-moi que je vais quand même pas partir là. Il se passe quoi? Rien du tout. Bon, ben, il se passe vraiment rien. Oh non. Oh non, c'est fermé, c'est fermé. Bon. Bah, moi, je crois que. Je vais plus être sur Brookhaven. Hein. Oh non, il est en train de partir, en train de partir. Bon, ben, mon amoureux, on se verra plus tard. Pas aujourd'hui. C'est quoi ce délire? Non mais, la fusée m'a pas attendu! Oh non! La fusée elle est partie! Et moi? Il y avait qui dedans? Non mais attendez, il y avait vraiment quelqu'un qui a volé ma fusée! Mon amour, où est-ce que t'es? Où est-ce qu'elle est? Oh non. Bon bah... Heureusement qu'on est que sur un ordi, parce que si ce serait dans la réalité, ce serait vraiment dommage. Non, il y a tout qui est en train de se détacher! Je crois qu'en plus j'ai percuté le satellite! Je sais pas où est-ce qu'il est passé lui aussi! Oh là là, mais je pars où? Je pars où? Oh... Peut-être que je vais sur Mars, la Lune? Oh non, qu'est-ce que c'est? Il y a tout qui se détache! Bon ben, je suis seule, dans l'univers, là. Ok, donc c'est parti, je suis dans l'éditeur de Brookhaven. Et on va commencer, déjà, on va mettre le ciel en rose. Ouais, comme ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va enlever la fontaine juste ici. Voilà, comme ça. Et on va ajouter une mise d'Arquito. Voilà, là, elle est vraiment toute petite. Bon, vous savez quoi? On va la mettre vraiment immense. Hop là, c'est parti, mise d'Arquito, te voilà. Ah ouais, elle fait vraiment peur comme ça. Elle est beaucoup trop grande. Attends, on va la rapetissir un peu. On va lui mettre juste le haut du corps. Voilà, comme ça. Oh là là, elle sort du sol. C'est incroyable. Bon, on va enlever quelques bâtiments de Brookhaven. Bon, on va commencer par enlever le restaurant juste ici. Moi, je sais ce qu'elle aime, Miss Darkito. Ce restaurant-là, elle aime pas. Mais si, tu fais quoi? C'était mon préféré. Mais arrête. Oh mince, mince. Bah, c'était le seul qui... Oh là là, non, mais je suis désolé. Bon, bah... Je peux plus revenir en arrière, je suis obligée de l'enlever maintenant. Bon, d'accord, d'accord, mais t'as vraiment intérêt de mettre quelque chose de bien à la place, hein, parce que celui-là, bah, je l'aimais beaucoup, quoi. Bah ouais, mais j'ai pas le choix.
Bon, maintenant qu'il n'y a plus de restaurant, je sais qu'elle adore les attractions, donc bon, elle a préféré, c'est sûr qu'elle a préféré les attractions au restaurant. Hop, on va le mettre ici. Voilà, comme ça. Oh, j'ai une meilleure idée, les amis. Pour Miss Darkito, regardez ce qu'on va faire. On va mettre une boîte de Barbie et on va l'agrandir et on va mettre la Miss Darkito dedans. Oh, ça va être incroyable. Hop là. Et on va prendre Miss Darkito. Du coup, on va la mettre un petit peu plus petite et on va la mettre dans la boîte de Barbie. Et voilà. Mais attends, dis-moi, pourquoi est-ce que je lui ressemble pas beaucoup là? Regarde la tête qu'elle fait. Moi, je sais pas, ça c'est Roblox Studio, c'est pas ma faute, hein. T'es comme ça. Non, je crois pas. Et vous trouvez qu'en quoi je lui ressemble? Regardez, c'est... Il manque ses sourcils, ils sont trop bas, non? Oh, les fossiles, ils sont même mal mis. Trop bizarre. Bon, je vais aussi rajouter une grande roue, parce que je sais qu'elle adore les attractions. Ça, j'en suis sûr à 200%. Vous savez quoi? La grande roue, on va la mettre juste ici. Hop là, on va la tourner un petit peu. Et là, voilà. Comme ça, il y a une grande roue à côté. On va aussi remplacer la couleur des arbres en rose. Hop là. Ah oui, attendez, je sais ce qu'elle aime en plus. Elle aime les boulangeries. Hop là, on va mettre une boulangerie. Et si on la remplaçait par la police, la boulangerie? Enfin, on mettrait la boulangerie à la place de la police. On va faire ça. Comme ça, il n'y a plus de police dans Brookhaven. C'est pas trop bien, ça? Mais de toute façon, dans mon monde, il n'y aura pas besoin de police, tu sais. Ah bon? Parce que tout le monde est gentil dans ton monde? Ben oui. C'est peace and love, tu vois, il y a plein d'amour partout, que du bonheur. Mais attends, du coup, on peut enlever aussi l'école ou pas? Très bonne question. L'école... Oui, non, c'est quand même très utile, l'école, je trouve. Enfin, on fera une école, tu vois, mais avec plein d'activités, des piscines à l'intérieur et tout, tu vois, ça a de la fête tout le temps. Oula, il y a du boulot. Bon, déjà, on va s'occuper de la police avant. Bon, on va mettre la boulangerie juste ici, du coup. Oh là là, elle va vraiment être bien. Je suis sûr qu'elle va adorer. Hop là, on va la tourner dans le bon sens. Et voilà, une petite boulangerie. Elle est vraiment petite, par contre. Oh non, elle est vraiment toute petite. Mais est-ce que ce serait pas parce que, justement, à côté, je suis tellement gigantesque qu'on dirait que tout paraît tout petit? Mais sinon, peut-être qu'à l'intérieur, il y a des choses super bonnes, hein. J'ai trop hâte de voir. Je vais rajouter un arbre avec des balançoires. Juste ici, comme ça, ça fait moins vide. Bon, elle m'a dit une piscine dans l'école. Bon, où est-ce que je peux la mettre, la piscine? Où est-ce que je peux la mettre? On va essayer de la mettre à l'étage. Oui, à l'étage. Ah oui, à l'étage, à la place de la peinture, même si j'adore ça. Je pense que ce sera vraiment une très très bonne place. Et puis, franchement, on va avoir la meilleure école ici, hein. Ouais, c'est quand même mieux que l'art plastique, j'avoue. Mais arrête, c'est bien l'art plastique. Et la piscine, attention, comme ça on pourra faire de la piscine dans l'école. Hop, voilà, ça va être trop trop bien. Là, voilà. Mais plus grand la piscine. Ah oui, voilà, là c'est bien. Voilà, une vraie piscine dans l'école de Brookhaven. Qu'est-ce que c'est que ce Brookhaven de fou? Et voilà, une piscine. Attendez, on va essayer de la tourner un peu. Voilà, c'est n'importe quoi. Bon, ben, je crois que maintenant, c'est bon, hein. T'as fini, j'ai trop hâte de le visiter. Attends, il manque un truc. T'aimes quoi comme voiture? Oh, tu peux mettre une voiture... Bah, attends, pour changer, une voiture rose. J'aimerais bien pour changer aussi, tu vois, un espèce de... gros SUV. Enfin, toi, c'est bizarre parce que tu dis pas SUV, tu dis SUV. Bah, j'aimerais bien ça. Bon, voilà, on va mettre le SUV juste ici. Oh là là. Pourquoi elle m'affiche comme ça? On dit SUV, pas SUV, on est d'accord. Oh là là. Bon, c'est pas grave, on va le mettre ici. C'est vraiment pas mal. Il est beau en plus, sa voiture. Ouais, me plaît bien cette voiture. Attends, tu sais quoi? Puisqu'on est deux, bah écoute, mets la deuxième voiture. Et celle-ci, regarde, on dirait un espèce de classe G. Tu sais quoi? Bah moi, je prends celle de gauche et toi, tu prends celle de droite, ok? Ah non, celle de droite, hop là, supprimée. Allez, c'est fait. On peut l'essayer. Mais quoi? Bon ben c'est pas grave, tu sais quoi, c'est moi qui conduirai. Bon, de toute façon, il y a qu'un ordinateur, donc on peut l'essayer avec que mon compte. Bon bah c'est pas grave, on va quand même l'essayer. Voilà, ça va vraiment être n'importe quoi. Et là, il y a la voiture. Oh là là, la voiture, elle est incroyable. Oh regardez, elle marche bien. Oh là là, elle fonctionne vraiment très bien. Oh là là, par contre, elle va pas très vite. Enfin si, elle commence à aller vite. Ok, l'école. Oh non, la voiture revient par là. Oh non. Bon bah tant pis pour la voiture, elle s'en va. Au revoir. Bon, on va essayer l'école du coup, il y a une piscine dans l'école. Oh là là, mais c'est quelle idée, mais qui a eu cette idée? Et là du coup, on peut aller dans la piscine. Oh là, c'est n'importe quoi, je suis vraiment dans une piscine dans l'école de Brookhaven. Non mais Miss Darkito, quelle idée t'as eu encore? Non mais c'est quoi? Il y a vraiment une piscine, c'est trop bien, j'adore. Bon, j'espère qu'elle va me donner les codes parce que la suite elle est vraiment trop bien. Bon, ma voiture elle est arrivée ici, bon bah c'est génial, on peut la récupérer. Allez, hop là, on remonte dedans. Allez, c'est... parti! Oh, elle est vraiment lente cette voiture! Elle fonctionne pas bien! Hop là! Oh la boulangerie! Oh non, j'ai raté la boulangerie! Oh non!
Et les attractions. Oh là, mais ma voiture, pourquoi elle s'en va sans moi? C'est n'importe quoi. Bon allez, la boulangerie, j'espère vraiment qu'il y a ce qu'elle aime. Il y a des donuts, est-ce que t'aimes les donuts, chérie? Bah oui, j'adore les donuts. Attends, c'est trop trop bon, tu veux pas m'en ramener? Alors là, on est dans un Brookhaven dans Brookhaven. Ça va être compliqué. Bon, en tout cas, les donuts, quand on ira dans le vrai, quand on ira dans ce Brookhaven là, si tu veux, on en prendra, on en mangera ensemble sur cette table. Et tu seras même en face de moi, ça va être trop bien. Bon, on va essayer les attractions, c'est parti. Oh, regardez quand même, elle est quand même dans une boîte de Barbie. C'est n'importe quoi. Et je peux même faire de la balançoire ici. Voilà, j'adore ce Brookhaven. Ok, on va essayer la grande roue pour commencer. Ça va être trop bien la grande roue, c'est parti, on va monter dedans. Est-ce qu'elle marche? Oh non, me dites pas que... Ah si, elle marche. Elle commence à tourner. Ça se fait pas, attends, moi je voulais trop être là aussi et t'es le seul à être sur place. C'est mon Brookhaven quand même. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Bah si tu veux, genre, je pourrais t'inviter la prochaine fois dans ce Brookhaven. Où tu créeras un Brookhaven d'Arkito à la place. Voilà, ce serait une bonne idée aussi ça. Bon allez, on va essayer la dernière attraction. Et l'entrée, c'est pas ici. Là, on va l'activer ici, c'est parti. On va commencer par l'activer, hop là. Ok, c'est bon, là je l'ai activé. Là, ça va être n'importe quoi, on va rentrer dedans, on va rentrer dedans. Ah non, oui, c'est bon, j'ai réussi. Ok, waouh, ça tourne dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Oh non, mais comment tu fais? En plus, toi, tu détestes les manèges, attends. C'est moi ou ça monte? Ouais, je crois que ça monte. Oh non, moi je peux pas rester dedans. J'ai trop peur, ah, j'ai peur, à l'aide, sauvez-moi. Je vais... Non, on va sauter. Voilà, normalement faut pas sauter comme ça je crois. Bon, j'ai la tête qui tourne les amis. Ok les amis, on est dans l'éditeur de Brookhaven. Et on va commencer, vous savez quoi, par taper sandwich. Hop là, sandwich, ça s'écrit comme ça, hop là. Ok, donc sandwich, oh là là, il y a plein de sandwich de partout. Ok, là il est vraiment tout petit ce sandwich. On va le mettre immense, vous savez quoi, on va l'agrandir. Comme ça on va faire un gros gros sandwich. On va même le mettre un peu plus droit. Hop, ok, non, attendez. On va le mettre ici, les amis, sur le bâtiment. Attendez, il est peut-être un peu trop grand encore. Comment je pourrais faire pour le mettre là? Ok, on va le rapetissir quand même. Hop là, j'ai envie d'en mettre de partout, sur tous les bâtiments de la ville. Attends, attends, il manque encore plein de choses. Laisse ce sandwich là, on va essayer d'ajouter quelque chose d'autre pour l'instant. Y a pas plutôt des magasins, tu vois, des magasins de sandwich ou des trucs comme ça? Regarde, j'ai trouvé ce magasin, il irait trop bien. Attends, on va le mettre bien. Voilà, on va l'agrandir. Hop là. Oh, ça me paraît vraiment pas mal. Par contre, il manque un énorme sandwich ou une énorme baguette dessus. Une baguette, ce serait drôle, non? Imagine. Allez, hop là. On va l'agrandir. Oh là là, non mais elle est trop grande. Oh là, c'est vraiment pas mal. Regarde, c'est trop drôle. Oh, j'adore. Allez, t'en penses quoi? C'est vraiment très bien, mais je rajouterais bien quelques tomates un peu de partout. Mais oui, c'est une super bonne idée. Bon, ben, je te laisse faire. Regarde, hop là, une tomate ici. J'ai envie d'en rajouter sur tous les bâtiments de Brookhaven, avec tous les trucs des sandwichs. Attends, je vais en rajouter sur les bâtiments. Ah ouais, une tomate géante, regarde, regarde chérie, regarde une tomate géante. C'est vraiment trop drôle. Qu'est-ce qu'il y a dans un sandwich déjà? Il y a quoi d'autre? Ben, tu sais, il y a aussi du fromage, il y a aussi de la salade. Ah, c'est vraiment une bonne idée, hein. Ouais, c'est bon, regarde, j'ai mis une salade. Attends, c'est vraiment n'importe quoi, une salade comme ça. Et il y a quoi d'autre? Tu m'as dit du fromage. Alors attends, du fromage. Hop là, regarde. Attends. Ouais, comme ça. Ah ouais, attends, c'est vraiment trop beau. Bah, j'adore. Je pense qu'il faudrait en rajouter encore un petit peu ou... Qu'est-ce qui manque encore? Bah, il en manque un peu de partout, là. Sur tous les bâtiments, je vais en mettre, regarde. Ouais, voilà, déjà, j'en ai mis un petit peu de partout. Et ensuite, qu'est-ce qu'il aime, Lidarkito? Je crois qu'il aime le McDonald's. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il adore. T'en penses quoi? Bah, je pense que c'est vraiment une super bonne idée. On va rajouter quelques fast-food. Bon, déjà, bah, le McDo, ce serait vraiment génial. Et on va le mettre à la place de ce bâtiment, je pense. Ok, bah je m'en charge, je suis en train de l'enlever. Ouais, voilà, là ça fait vraiment beaucoup de place, du coup je vais mettre le McDonald's. Oh là là, j'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler. Bah regarde-le, il est vraiment beau, non? Enfin, c'est un vrai McDonald's, quoi. On va le mettre tourné par là, hop là. Quoi qu'on va le tourner par ici, c'est... Waouh! Comme ça. Attendez, hop, hop. Ouais, voilà, là c'est vraiment sympa. Oh là là, c'est tellement réaliste que ça me donnerait presque envie d'y aller. Et vous, vous aimez le McDonald's? Mais c'est quoi cette question? Bien sûr qu'ils vont dire qu'ils aiment le McDonald's. Oh là là, quand même. Quelle question. Miss Darkito, tu poses des questions parfois bizarres. Bon, pour ceux qui aiment pas trop le McDonald's, j'ai mis un distributeur de sandwich. Quoi qu'il n'y a pas de sandwich. Si, il y a un sandwich dedans. Parfait. Oh, mais on allait oublier de mettre un Subway, attends. Mini Darkito, il aime les sandwichs. Il aimerait Subway, c'est sûr. Oh non, c'est vrai, on est vraiment trop nuls, on a failli oublier ça. Allez, tu comptes le mettre où? Bah là, il y a de la place, je pense. En plus, il est petit, le Subway, regarde. Hop, on peut le mettre juste à côté du McDonald's. Waouh, attendez, j'arrive pas trop à le manipuler, le truc. Voilà. Regarde, il passe super bien ici, non?
On va l'agrandir même un petit peu, regarde, j'ai même la place pour le mettre un peu plus grand. Pour pouvoir même le décaler, hop. Et là, bah voilà, un Subway à côté du McDo. Oh là là, j'ai trop hâte, on va le visiter, tu crois? Bien sûr, on aura même des sandwichs. Non mais quand même, c'est quoi cette question? Alors dépêche-toi, dépêche-toi, je veux trop le visiter, moi ça me donne super faim tout ça. Attends, j'allais oublier un truc super important, regarde. On va mettre un personnage. Voilà, regarde, il est là. Il est là, le petit mini Darkito. Oh là là. Oh là là, je savais même pas que c'était possible de faire ça. Attends, mais t'es vraiment trop fort. Attends, tu sais quoi? Est-ce que je peux l'agrandir? Oh, je peux l'agrandir, regarde. On va faire un géant mini Darkito. Oh là 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 là, je vais le mettre à la place de la fontaine. Voilà. Oh là là, mini Darkito, grand mini Darkito. Oh, le petit sandwich devient géant. On va enlever la fontaine qui est là. Et attends, on va le déplacer, on va le mettre, hop là, à la place de la fontaine. Le géant mini Darkito. Vous savez quoi, on peut le même mettre encore plus grand que ça. Attendez, pourquoi je ne le mettrais pas géant? Genre vraiment géant, comme ça. Hop là. Voilà, comme ça, il fait vraiment peur. Bon bah, je pense qu'on est prêt à visiter le Brookhaven mini Darkito. Oh, non, 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 le sandwich, le sandwich, le sandwich. Ok, bon, ça commence comme ça du coup. Ouais, je crois qu'il y a un petit problème avec le sandwich. Bon, oh là, qu'est-ce qu'il me fait pas faire lui là? Waouh, ça fait peur. Oh là là, j'ai vraiment peur de lui. Oh, vous imaginez une attaque de mini Darkito comme ça? Voilà, faudrait que j'appelle les Skibidi moi à la place. Oh, c'est n'importe quoi. Bon, on va commencer par visiter le petit McDonald's. Je sais même pas s'il est fan du McDonald's. Je pense que si, je pense qu'il adore le McDonald's. Hop là, hop là. Oh là là, il y a vraiment les burgers et tout. Oh, ouais, non, c'est, il adore en fait. Il adore les burgers comme ça, les Big Mac, ça s'appelle. Il adore ça. Bon, hop là, oh là, il y a plein de trucs. Il y a même des... Oh, il y a même des croissants ici. Mais c'est quoi cette histoire? Oh là, c'est vraiment bien. Bon, on va aller voir le Subway. Et la machine de sandwich, elle est passée où? Il y avait une machine de sandwich ici. Bon, tant pis. Le Subway, oh là là, il est vraiment bien fait. Et du coup là je peux choisir mon sandwich. Et Mini Darkito il serait super content de voir ça. Regardez, c'est quoi ça? Mais ça c'est de la pierre, on va pas manger de la pierre. Ça c'est de la salade. Mais c'est du poulet, tu le vois pas, regarde. Ah ouais, c'est vrai. Ah là je suis vraiment nul, n'importe quoi moi. Ah là ça a l'air vraiment sympa, j'ai envie de manger du Subway moi maintenant. Un bon sandwich là. Quoi que ça peut le faire peur à Mini Darkito. Si je lui dis qu'on a mangé un sandwich, vous imaginez? Waouh, wow, regardez la statue de Mini Darkito. Elle fait vraiment peur comme ça. Oh là là, c'est vraiment incroyable. Moi je vais aller voir la boulangerie parce que bon, c'est quand même important pour Mini Darkito, je pense, la boulangerie. Mais c'est vraiment impressionnant de le voir comme ça. Non, s'il est comme ça, franchement, moi je prends peur. Bon, allez, dépêche-toi d'aller à la boulangerie, je veux te voir à quoi il ressemble. Bah attends, j'y viens, regarde. Regarde, hop là, Paris Baguette, on peut rentrer dedans. Waouh, c'est quoi cette porte du futur? Oh, vous avez déjà vu des portes comme ça, vous? C'est n'importe quoi. Oh, il y a plein de sandwichs, regardez, il y a les sandwichs, il y a les sandwichs, il y a les hot dogs, il y a tout, il y a les... Oh là là, il y a les sandwichs, il y a les sandwichs, les sandwichs de Mini Darkito. Et là, on peut s'asseoir tranquillement, manger notre petit sandwich. Et oh là là, c'est vraiment trop bien, tous les pains qu'il y a et tout. Oh, j'adore, qu'est-ce que t'en penses, toi, ma chérie? Ben moi, ça me donne vraiment super faim, j'ai trop envie que tu ramènes un sandwich. Bah ouais, mais attends, je peux même pas, prendre de boisson là. Et je peux même pas ramener de sandwich. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il est vraiment bien, ce Brookhaven. Et surtout, ce truc-là. Non, mais c'est vraiment incroyable, en fait. Et on va créer un Brookhaven français. Ok, les amis. Donc, on est sur l'éditeur de Brookhaven. Donc là, pour le moment, il y a absolument rien qui est français. Et donc, on va commencer par là où on apparaît. Et on va rajouter le drapeau français. Hop, on va en mettre un ici et un ici. Hop là, les amis. Ensuite, les amis, on va taper Tour Eiffel. Et on va ajouter la Tour Eiffel sur Brookhaven. Non, mais attendez, je sais même pas où la mettre. Elle est vraiment trop grande. Ok, vous savez quoi? On va la mettre ici. Elle est plutôt pas mal ici. Et les amis, juste à côté, on va rajouter l'Arc de Triomphe. Ok, donc là, waouh, elle est plutôt bien faite, les amis. Ok, bon, les amis, on peut pas l'agrandir. Ok, les amis, on va la mettre de l'autre côté, les amis. On va pas la mettre à côté de la Tour Eiffel. Et on va la mettre comme ça. Et en plus, regardez ce qui est marrant. Il y a des petits bonhommes de Roblox. Non, mais attendez, c'est n'importe quoi. Ok, les amis, ici, on a un stade de foot. Et du coup, les amis, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter Mbappé. Hop là, les amis. Et voilà, on a Mbappé sur le terrain de foot. Non, mais attendez, c'est n'importe quoi. Ok, les amis, ici, on va rajouter des voitures. Et on va pas rajouter n'importe quelle voiture. On va mettre une Peugeot. Hop là. Ok, j'espère vraiment qu'elle est bien. C'est une voiture française. On va en mettre une deuxième. Hop là. Ok. Pourquoi elle est sur le toit? Attendez, on va la mettre au bon endroit. On va aussi mettre une Renault Clio. Hop là. Ok, parfait. Et on va aussi mettre une voiture de police française, les amis. Hop là, voilà, police municipale. Et en plus, c'est une Citroën. Ok, j'espère vraiment qu'elle marche. C'est n'importe quoi de voir ça sur Brookhaven. Ok, les amis, moi j'ai entendu dire que Mini Darkito il voulait une boulangerie. Du coup, on va taper boulangerie. Et là, du coup, j'ai une boulangerie. Alors, je crois qu'elle est vraiment basique, cette boulangerie. Ok, c'est vraiment la boulangerie la plus basique. Mais au moins, ça marche. Et franchement, si avec la boulangerie, mais pas 10 sur 10, ce serait n'importe quoi. Ok, regardez, les amis, j'ai mis un immeuble parisien. On va en rajouter plusieurs. Mais attendez, ils sont vraiment beaux, les immeubles parisiens comme ça. Non, mais... Et là, ça rend vraiment, vraiment bien, les amis. C'est n'importe quoi. Ok, regardez, les amis, ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un café parisien.
qui s'appelle Paris Baguette Café. Mais attendez, c'est super bien fait en plus à l'intérieur. Ok, on ira le voir après. J'espère vraiment qu'il marche. Et en plus, comme ça, Mindark Ito, il mettra un 10 sur 10. C'est sûr à 100%. Ok, là, on peut carrément mettre un quartier parisien. Non, mais attendez. Ok, non, mais c'est trop grand. Non, mais attendez, où est-ce que je peux le mettre, ce quartier? Vous savez quoi? On va le mettre dans la campagne, juste là-bas. Et comme ça, on ira visiter un quartier parisien à l'autre bout de la ville. Ok, les amis, on va rajouter un avion français. Ok, donc là, il y a marqué Air France, les amis. J'espère vraiment qu'il marche. Et on va le mettre juste là. Ok, faut vraiment qu'il arrive à décoller. J'espère qu'il va vraiment décoller. Ok, les amis, regardez, il y a un camion de pompiers français. On va le mettre, les amis. On va le mettre juste là. Hop là. Et on va le mettre dans la caserne. Hop là, les amis. Il est juste là. Super bien. Ok, les amis, je viens de prouver ça. Donc, c'est le ciel de Paris. Donc, on va le rajouter juste là. Ok, waouh. C'est super beau. Ok, non, mais c'est super bien fait, les amis. Il y a vraiment le ciel de Paris ici. Ok, les amis, je pense qu'on est prêt à l'essayer. C'est parti, les amis. Ok, les amis, donc c'est parti. Waouh, il y a déjà les drapeaux français. Regardez. Il marche vraiment en plus. Non, mais c'est incroyable. Donc, il y a vraiment du vent sur Brookhaven, ça veut dire. Ok, mais c'est super bien fait, les amis. C'est vraiment super bien fait. Oh, il y a la tour Eiffel là-bas. Regardez la tour Eiffel. Ok, c'est parti, on va essayer une voiture. Donc c'est parti, on va essayer. Vous savez quoi, on va essayer la Peugeot au milieu. C'est parti, on va l'essayer. Ok, elle marche vraiment ou pas? Comment je fais pour la démarrer? Ok, je peux tourner les roues, mais attendez, je peux pas la démarrer. Ah si, regardez, regardez, elle marche, les amis. Elle marche vraiment, la voiture. Oh, elle est trop bien faite. Elle est vraiment trop bien faite, les amis. Ouais, c'est super bien fait. Elle marche vraiment bien. Par contre, elle va pas super vite. Attendez, on va essayer d'aller au maximum. On va essayer d'aller beaucoup plus vite. Ok, ouais, non, elle va pas très vite, quoi, la voiture. Waouh, ok. Ok, on va pas. Oh non. Oh non, les amis. Ok, non, c'est bon. Ok, on repart. Hop là. Ok, par contre, elle glisse beaucoup. Elle glisse beaucoup. Waouh, waouh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ok, on va essayer une autre. On va essayer celle-ci. C'est parti, les amis. On y va. Est-ce qu'elle marche? Ok, ouais, elle marche bien. Waouh, elle va beaucoup plus vite. Ok, elle va vraiment beaucoup plus vite. C'est n'importe quoi, les amis. Ok, elle va super vite, les amis. Elle va super, super vite. Waouh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ok, bon, bah, les amis, tant pis pour ma voiture. Ah oui, c'est vrai, les amis. J'ai mis une ville parisienne ici de ce côté. Ok, non, mais elle était vraiment perdue, cette ville. J'avais carrément oublié. Ok, on va aller la visiter, c'est parti les amis. Ok, donc déjà, ok, donc là on rentre par ici. Ok, donc il y a une petite fontaine au milieu avec un petit jardin. Oh mais c'est super sympa ici. Mais attendez, on entend même le bruit des oiseaux. Non mais c'est trop bien fait. Ok, regardez, il y a une boulangerie pâtisserie. On va rentrer dedans, c'est parti les amis. Ok, oh non, oh oui c'est ouvert, oh trop bien. Oh trop trop bien les amis, c'est super bien fait. Ok, on peut récupérer du pain. Oh non, on peut pas récupérer du pain. Oh non, je suis coincé, oh non. Oh non, je suis coincé, les amis. Je me suis coincé dans le pain. Ok, ça va que je suis admin. Hop là, les amis. Ok, je crois par contre que j'ai vraiment mis la ville au mauvais endroit, les amis. Je peux pas passer par là. C'est n'importe quoi. Et bon, il y a un restaurant, il y a une librairie. Et là, il y a un laboratoire. Attendez, mais c'est quoi le laboratoire? Ok, on rentre dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans, les amis? Ok, on va monter. Ah, ok, on peut rentrer dans les bâtiments. Non, mais c'est trop bien fait, les amis. C'est vraiment super bien fait. Et franchement, cette ville, elle était super bien faite. Ok, donc ici, il y a l'Arc de Triomphe version Roblox. Regardez, il y a des petits personnages de Roblox. Non, mais c'est super bien fait. Et en plus, regardez, mais ça ressemble vraiment. C'est incroyable. Ok, ici c'est Paris Baguette, donc ici j'imagine que c'est un restaurant, bah qui fait, enfin bah, non c'est une boulangerie en fait. Il y a marqué quoi? Il y a marqué Baguette Paris, ok bon, bon on y va les amis, on rentre dedans. Ok waouh, c'est super bien fait, la porte coulisse, waouh c'est vraiment un truc de ouf. Ok donc là on a des sandwichs, oh mais il va être content Mini Dark Ito de voir ça, il y a des sandwichs, il y a des sandwichs, il y a du pain, il y a, oh là là mais c'est super bien fait, il y a beaucoup de pain les amis. Et là il y a même du Coca-Cola, attendez on peut récupérer le Coca-Cola, waouh, ok est-ce qu'on peut le récupérer? Ok, par contre, non, 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 je voulais pas rentrer. Non, mais je suis dans le coca. Je suis dans. Ah, il faut me faire sortir de là. Non, mais c'est n'importe quoi ça. Ok, mais on peut pas récupérer de pain. Oh non, les amis, on peut pas récupérer de pain. Bon, en tout cas, c'est super bien fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis Mbappé ici. Non, mais attendez, il est tout seul sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Non, mais attendez, c'est n'importe quoi. J'ai vraiment mis Mbappé. Attendez, on peut le pousser. On peut le pousser. Hop là, Mbappé. C'est n'importe quoi. Ok, donc là, je suis dans le quartier parisien, les amis. Non, mais regardez-moi ça. Non, mais c'est super bien fait. On dirait vraiment qu'on est à Paris. Eh, il y a quelqu'un qui a garé sa voiture ici. Mais pourquoi il a garé sa voiture ici? Attends, on va lui prendre. Mais attendez, ma voiture, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle conduit toute seule. Mais elle veut vraiment pas se conduire, non mais elle est incontrôlable cette voiture, c'est vraiment n'importe quoi les amis. Vraiment n'importe quoi. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai mis un camion de pompier ici, j'ai mis un camion de pompier français. Ok, donc là on peut rentrer dedans, oh on peut le conduire. Est-ce qu'il marche? Il marche vraiment ou pas? Ok, on démarre le moteur. Oh oui, il marche vraiment les amis. Il marche vraiment, attendez, on peut mettre les gyros, on peut mettre la sonnerie. Waouh, waouh, ça me casse les oreilles. Non mais c'est vraiment super bien fait les amis. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis la police. Attendez, on va essayer. On va essayer le truc police municipale. Non mais vraiment, mais c'est super bien fait. Non mais attendez, attendez, c'est vraiment super bien fait. Alors, attendez, elle va vite ou pas la voiture au moins? Ah oui, elle va... Ah non, elle glisse, c'est n'importe quoi. OK. OK, on va essayer la dernière voiture, c'est la Renault Clio. Hop là, on y va les amis. Est-ce qu'elle marche? Ah oui, elle marche bien elle. Ah oui, ah oui, je crois qu'elle se conduit bien les amis. OK, elle se conduit bien. Elle c'est super sympa. OK, elle se conduit vraiment sympa, vraiment, c'est super bien. Ok, on va à la tour Eiffel les amis, on va aller voir la tour Eiffel, c'est parti. Ok, elle a un peu du mal sur la montée, et on y est les amis. Ok, et vu que je suis admin, regardez les amis, hop là, on peut monter directement, pas besoin d'ascenseur. Et on va aller tout en haut les amis, c'est parti, on y va.
Hop là, voilà, là je suis vraiment tout en haut de la tour Eiffel. Ok, je crois qu'en vrai c'est un petit peu plus grand quand même. Et là, regardez, non mais regardez le Brookhaven de haut. Non mais c'est super bien fait. Il est incroyable ce Brookhaven. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un avion. On va aller voir l'avion les amis, c'est parti. Ok, bon bah j'ai sauté ici les amis. On va ressauter encore, hop là. Et on va encore ressauter, hop là les amis. On va essayer l'avion, c'est parti. Ok, donc on va rentrer comme ça les amis, vu qu'il est un petit... Je sais pas pourquoi il s'est mis là alors que je l'ai pas du tout mis là. C'est parti, on rentre dedans. Et apparemment il va direction Lyon, c'est marqué. Donc on y va, on rentre dedans, hop là. Donc là je suis dans l'avion. Ok, donc là, ok, par contre, il n'y a pas de siège. Non, mais attendez, il n'y a vraiment pas de siège. Comment on fait pour s'asseoir? Ok, donc on va rentrer dedans dans la cabine du pilote. Ok, les amis, on peut le piloter ou pas l'avion, moi? Ok, les amis, non, mais attendez, c'est n'importe quoi. Mais comment je fais pour le piloter? Ok, les amis, ok, je crois que... Ok, non, mais c'est n'importe quoi, les amis, c'est vraiment... Je comprends pas. Mais c'est... What? What? Mais qu'est-ce qu'il fait, mon personnage? Non, mais attendez, c'est impossible à conduire, les amis. Vraiment, c'est trop dur. Waouh, mais... Waouh, ça en fait vraiment un paquet, les amis. Voilà, franchement, lequel vous avez préféré? Moi, je vous dirais peut-être que c'est le Brookhaven français que j'ai vraiment adoré. Il était vraiment super bien, non? Ou peut-être le Minecraft aussi. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré et quel Brookhaven vous voulez voir un jour. Je sais pas, il y a tellement d'idées encore à faire. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos.